allez entrer dans la maison du sport et venez parler de sport avec nous faites une parenthèse prenez une respiration il y a trop de politique depuis hier bref ça va faire du bien, on va pouvoir se détendre avec la meilleure équipe qui puisse exister dans ce bas monde. J'ai bien sûr First Team, First Team Sport représenté tout autour de ce plateau. Certains sont rentrés des états unis d'autres sont même rentrés d'une grave maladie. Je suis très content de vous avoir au complet. En tout cas autour de nous, autour de moi. Autour de moi, il y a notamment celui qui s'est régalé, comme moi d'ailleurs hier dans son canapé, avec le retour sous le feu des projecteurs de la délicieuse Rachida Dati. C'est Erwan à votre aide qui est avec nous. <rire> <rire> Ça va être une... C'est vrai, j'ai passé un très bon dimanche parce que l'OM a gagné 2-0 contre Montpellier. Et même si je ne vote pas Rachida Dati, c'est toujours un plaisir de la. Pas encore, Eron, pas encore. Tu vas voir, tu vas vieillir un peu, puis tu te diras, et ouais, enfin non, je pense pas en fait. fait malgré son côté philanthrope et son statut de mécène, non, il n'aidera pas Valérie, Valérie Pécresse pardon, à rembourser <laughs> ses frais de campagne. C'est M. Thomas Dufon. Ça va as une promesse de don 0 euros je me suis dit il veut défiscaliser c'est un homme d'affaires je suis content de vous retrouver c'est vrai que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas vu entre des maladies effectivement un petit voyage vous m'avez manqué en plus j'ai pu voir ce grand quiz vous avez été excellent j'ai senti à la fois de l'énergie à la fois de la culture sportive je tiens à vous féliciter Carlos de la Oya. j'allais oublier l'épisode du quiz qui est passé la, la semaine dernière oui. allez, allez, bien sûr ah ouais. si vous ne l'avez pas vu allez vite vous rattraper c'est en replay sur la chaîne du stream sur la chaîne YouTube du stream bien évidemment comme à chaque scrutin <laughs> il a lui glissé en souvenir un bulletin du général de Gaulle <laughs> c'est bien sûr polo arrière vous l'avez tous reconnu Ça va Manu va mon polo Ouais, très bien écoute euh, euh, drôle pour de pourquoi, parce que tu dis ça quand même explique un peu vous êtes quand même lié avec le général. Oui, vous êtes lié avec le général Oui, oui son petit-fils déjà C'est ça c'est <laughs> ce que j'allais dire c'est mon arrière-grand-père arrière, Non, plus sérieusement, je suis né le 18 juin et on sait que le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, toi. Je pense que c'était pour ça. C'est exactement aussi T'aimes bien les refs à OSS quand tu fais la ah France du oui. général de Gaulle. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, ça marche bien sûr, bien sûr. aussi. C'est un fan de OSS 117. Euh, c'est notre dans de cette table. Et des visiteurs, exactement. mais ça n'a rien à voir. C'est la meilleures comédies française de l'histoire. La France. Et puis mon dernier, c'est un ultra-lyonnais, mais lui n'a ni voté pour Marine Le Pen, ni pour Eric Zemmour. C'est bien sûr Tom Tcharabino. Oui, tu as des infos, visiblement. Je je voulais pas le dire, mais non. Par contre, dans mon village, j'en suis <laughs> je suis parti, pour en, de... en tant que supporter lyonnais et du Beaujolais, je vous de... <laughs> laisse deviner vers quoi, vers son, vers son vote. Mais tu sais qu'à Villefranche, c'est Mélenchon, je crois, qui arrive en tête. Ouais, Mais il n'est pas de Villefranche lui, Non, non, je suis collé à Villefranche, dans la banlieue. Mais c'était pas Mélenchon en premier. <laughs> Allez les gars, grosse émission aujourd'hui. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à, à parler. Le tennis avec la retraite, bien sûr, de Joe Wilfried Songa. Le foot, Ben Arfa a encore fait des siennes. Et on va se poser la question, question un peu putassière est-ce que c'est le pire de l'histoire du football oui on n'ose pas, on, enfin on ose mettre le pied, nous il y, y a pas de souci et puis bien sûr on parlera des présidentielles mais avec Tom bien sûr et son regard tout à fait particulier puis oui. le quiz les gars moi j'ai envie qu'on se termine quand même sur un, sur un très beau quiz c'est toujours notre moment notre moment préféré dans cette émission sans plus tarder on commence avec les news surtout Les news! Mais non, Les, man, 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 man. <laughs> les news, bien sûr! C'est bien avec la bouche, quand <laughs> Bien, bien oui, sûr, je sais que un bout classe! Polo est capable de faire, euh, grâce aux flatulences ouais. dont il est capable de produire, de faire la Marseillaise! C'est pas vrai! Ah, ah, c'est toi qui me dis ça! Ah, oui, ah, c'est moi qui dis ça! Le niveau de l'émission, quoi! c'est Titanic! Après l'iceberg! On va y réfléchir pour un prochain blind test, les gars, on m'a donner des idées de quiz en tout cas! On commence avec du foot, c'est news. Et l'actualité, bien sûr, de ce week-end, il y a fait un choc qui n'a pas accouché d'une souris qui, a, qui nous a tenus en haleine, il faut le dire hier. City Liverpool, on en parle avec toi, Tom. Ouais, 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 un choc qui a quand même tenu ses promesses. Hein. On l'attendait de, depuis un bon moment. Euh, ce qui est fou, c'est que quand même il y a dix journées, on pensait que City si était déjà champion d'Angleterre. Euh, finalement, tu te retrouves avec ce choc où ils sont plus qu'à un point un point l'un de l'autre. Donc euh, c'était très attendu à, à de Stadium. Et puis euh, et puis, écoute, le match était était très plaisant, énormément d'intensité. C'est parti très fort avec un, un but déjà euh, non, une énorme occasion ratée de Raheem Sterling. Mmh. Pléonasme. Euh, pléonasme euh, <laughs> visiblement, il ne progressera jamais sur, euh, dans ce milieu. Et puis après, il y a Kevin De Bruyne qui, euh, qui est l'homme fort, évidemment, de, de City, mais surtout l'homme fort euh, des grands moments euh, sur les derniers matchs. Il a marqué contre l'Atletico il avait déjà marqué euh, à United. Donc, euh, donc, il ouvre la marque sur une frappe contrée. 1-0. Derrière, c'est égalise 8. Diogo Jota qui égalise sur euh, une galette euh, d'Alexander Arnold, il me semble. Non, Alexander euh, Robertson pour Alexander Arnold qui remet à Diogo Jota. Du coup, euh, ça part sur les chapeaux de roue. On se dit que, on dit que ça va être un grand match. Euh, franchement, en deuxième mi-temps, les tenesses sont promus. Les, 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 les promesses sont tenues. tenues. J'ai du mal. Hein, J'ai du... <laughs> ouais, du mal oh, ouais. à m'y mettre. Il y a, a Ressouz qui, qui marque juste avant la, avant la première mi-temps. <laughs> ensuite, il y a Sadio Mane qui égalise. Bref. Mmh. Regarde la caméra, peut-être ça va donner du, du bon au cœur. C'est un conseil. C'était hein. un, un, énorme match. Excusez-moi, j'en perds mon latin, mais c'était, c'était vraiment un gros match. On s'est régalé. Euh, moi, vraiment, c'était un match de latéraux, si, si je puis dire, parce que ah. des deux côtés. Latérales par contre. <laughs> décidément, décidément, je suis pas. <laughs> non mais euh, d'un côté, évidemment, je, je l'ai dit aux personnes et Alexander Arnold, de l'autre, Cancelo et Walker aussi qui est. Moi, Walker, il m'impressionne. C'est un mec qui, qui est comme ça depuis quand même 5 ans, qui, qui ne baisse pas en intensité, en qualité, donc je suis assez impressionné. Voilà, c'est... Euh, je pense que les deux sont satisfaits de ce point, je parce pense. que... Écoute, il vaut mieux prendre un point, je pense, que, que perdre ce match. Après, là où City peut regretter, c'est cette dernière action de Marez sur encore un caviar, oh. caviar oh. de De Bruyne. Caviar, ouais. euh, il, tente un, il tente un piqué. Euh, bon, frère, il l'a envoyé <laughs> dans les tribunes. Mais je pense que en tout cas, Liverpool peut être content de, 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 ouais. de, ce, de, de ce match nul. City peut avoir quelques regrets, mais il reste devant et c'est le plus important quand même. Liverpool, c'est bien. Tu restes à un point. Tu étais mené deux fois et tu égalises. Moi, je pense que United peut avoir des, euh, peut avoir des regrets. United, fa... euh, United City sûrement, mais c'est Ils ouais, <laughs> en rouge les deux, c'est très insupportable à euh, <laughs> City peut avoir des regrets parce qu'ils rentre parfaitement dans ce match, il bouscule. Hmm. Et je sais que ce n'est pas facile, Liverpool. Je suis euh, sur l'égalisation rapide après de, de Diego Jota. Jota. Diego, Diego. Je suis très surpris de la défense de, de City. Ils ne nous ont pas habitués à ça. Ça adore du début. Cette action, elle est longue. Hein. Est une ouais, ouais. Cette action, elle dure quasiment 20 secondes. Et sur les 20 secondes, ils sont pris sur tout. Tous, tous les duels, et je trouve qu'à ce moment-là du match, euh, remettre aussi, aussi rapidement Liverpool dans la rencontre, c'est une petite faute un petit peu de la part de nos amis citizen tant mieux pour le suspense, mais je trouve que City euh, peut, peut s'en vouloir, ils peuvent s'en vouloir, voilà. Il y, y a quand même un truc avec les deux équipes là, c'est euh, bon, évidemment les coachs, les duels de coach depuis euh, plusieurs saisons maintenant, c'est les deux meilleures équipes en Angleterre depuis euh, trois ans, euh, Je ne sais pas si tu as vu cette stat complètement ouais. ouf, mais depuis 2018-2019, City a pris 359 points. Liverpool a pris 358 points en Première là. Ligue. Ils sont proches comme ouais. pas possible avec des styles très différents. <rire> Arsenal, <rire> Arsenal, Arsenal, est a. Absolument. mais sur absolument chose. On est clairement en présence de deux des meilleures équipes en Europe par le style de jeu, par aussi le projet. En ce moment, on parle souvent des projets. On peut penser à Newcastle en ce moment. Plein de joueurs hyper référencés, des joueurs qui ne bougent pas les titulaires Ancestro, euh, même des mecs qui vont devenir des légendes de ces deux clubs, et pourtant, sure. mmh. c'est des, des, des grands clubs en Europe. Donc, euh, donc voilà, c'était l'affrontement. Euh, pas, fi pas final, parce qu'on espère les retrouver loin avec des Champions. Et notamment en Ligue des Champions, ce que j'allais dire. Fait. Mais euh, voilà, c'est enfin, encore oui. une fois le championnat le plus passionnant euh, en Europe. Et euh, en ça, la première ligue euh, sur laquelle on a eu tendance de temps en temps à taper. <laughs> sur laquelle on a, on a pu hein. taper à l'époque de la Clash Foot, Même <laughs> enfin, toi tu départs euh, dans la première ligue aussi. Tu as 0,2%. Et tu toujours avec eux, euh, Dur avec nous. Il y a eu un moment donné, c'était un peu surcoté. On trouvait que c'était un peu surcoté. Je suis jamais été d'accord avec vous sur ce sujet-là, mais c'est pas grave. N'oublie pas de dire qu'on a eu ce débat-là avant que les, les avant fameux coachs dont tu parles arrivent et tout tout au fait. moment où ils avaient énormément d'argent, mais ils n'avaient pas les meilleurs joueurs du monde aussi. Voilà, il y avait On le fait l'année ou juste après, il y a la finale. <laughs> oh ouais. euh, de On le fait au début de l'année. Après, rappelle-toi qu'à la fin de cette énorme discussion mythique que nous avons eu ce jour-là, nous avions quand même dit c'est vrai qu'ils n'ont pas les meilleurs joueurs du monde, mais ils sont en train de prendre les meilleurs coachs du monde et sans doute que ça nous donnera à terme. Un, un championnat bon, C'était ton argument, c'était pas le mien, en tout cas. La... Euh... <laughs> tu m'avais dit que le, la le meilleur championnat, c'était la Serie A. Sauf que avais, tu ouais. t'es trompé d'une euh, vingtaine ouais, d'années. Ouais, donc... ouais, <laughs> ça, ça me rappelle la vie sur Mercadal. Il, il y a eu des oh, 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 un ouais, best of ouais, de la classe il y foot. C'est des... des... assez, assez fort ouais, dans cette parfois, émission. Planté, voilà, parfois, on s'est planté. Parfois, on a dit des bêtises. Je sais que vous m'en voulez encore, les gars. Vous avez raison. Tu m'as rarement déçu parce que tu es un journaliste et un professionnel de très haut niveau. Mais là, je me souviens, de jour là, de ouais. pas avoir compris. Ouais, ouais, ce jour-là, je... Bonjour à tous. Ce débat sur les meilleurs coachs <laughs> du monde. Vous <même>, <laughs> oubliez quand même le bon travail de Mercadal avec quand qui sera viré trois mois plus tard. <laughs> Remplacé par Roland Courbis. <laughs> quand même assez incroyable. C'est une chose qui arrive. Moi, les gars, juste un petit mot quand même sur ce, sur ce match entre Liverpool et City. Moi, je suis assez euh, depuis le début de saison, mais depuis des années assez euh, assez. Euh, Enfin, je, je trouve City absolument incroyable dans l'intensité, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu vois City rencontrer Liverpool, j'ai ce truc de me dire est-ce que cette équipe de City n'est pas un petit peu trop prévisible bah En tout cas, à elle, chaque elle, fois aussi, dernière, ça marche, hein, pour, Chelsea ça marche aussi, pour, Chelsea pour Chelsea aussi l'année dernière. C'est une question qu'on qu peut se poser, qu'on va se poser une nouvelle fois en Ligue des Champions, parce que c'est ah, ce clairement. qui leur manque. Et comme on aime dire aussi en play NBA ou dans les derniers moments de toutes les, les grandes compétitions, bah, quand ça devient plus dur, plus tactique, mmh. euh, ou que les, les joueurs sont meilleurs, euh, que les coachs sont meilleurs, bah, c'est aussi là que tu vois la différence entre chacun. Pour l'instant, ça va complètement au sens-là, en tout cas en Ligue des Champions. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique à être prévisible, comme on peut mmh. le reprocher à City, en ayant autant la balle En ayant autant la balle et en se tenant à un ah, système. Euh, Auquel il se tient maintenant depuis, euh, depuis des années, Guardiola, même, même ailleurs qu'à qu Manchester City. Moi, ça ne me choque pas parce que je vois, c'est quand même une équipe qui surdomine toutes les équipes contre lesquelles elle joue, même la deuxième peut-être meilleure équipe d'Europe qui, euh, qui, qui est Liverpool derrière, derrière elle et qui en plus arrive à faire un, un bon résultat avec des regrets en plus, comme on l'a dit. Donc, moi, ça ne me choque pas. Maintenant, euh, il faut peut-être trouver des, des ajustements. Moi, je pense que plus que des ajustements en plus euh, tactiques, c'est peut-être un manque de réussite euh, d'une équipe aussi qui découvre le haut niveau, notamment en Ligue des Champions. Je pense que cette année, ce sera quand même peut-être une autre paire de manches et euh, je n'aimerais pas être les, les, les futurs adversaires de City dans cette compétition. Bon, pour moi, ce sera, ça va être un problème de toute façon au bout et je pense que ça sera le grand regret de cette période Guardiola. Je m'avance peut-être un peu, mais euh, ce truc de ne pas avoir tueur devant la cage, hier, on le voit encore, il y a un moment, ça, ça manque trop dans, dans les grands moments. Euh, la, leur force, c'est d'avoir toujours la balle, d'avoir des joueurs techniques comme euh, Bernardo Silva, comme Phil Foden, qui peuvent à tout moment euh, faire le bon décalage. Par contre, derrière le bon décalage, il faut, il faut un mec qui met des pions. Et quand tu vois Sterling euh, qui n'a pas cette qualité-là, quand tu vois euh, Gabriel Jesus qui est mis sur le côté droit, donc qui est même pas à son vrai poste de numéro 9, qui n'est pas non plus le tueur euh, escompté, je pense que ça, ça va porter préjudice à, à Manchester City. Après, euh, Guardiola meurt avec ses idées, donc on, on verra bien en ça mène. Et pour, et pour euh, finir peut-être sur la question d'Erwan, euh, ce que je vois, c'est que Guardiola, lorsqu'il avait Messi, donc quand il avait ce joueur qui, sur une action, sur un pas, un dribble, une passe, était capable de changer le cours d'un match, on ne se posait pas la question. Au Bayern, on se les posait. Ouais. À City, on se les posait parce que, aussi forts soient-ils tous, hein, et euh, allez, on peut mettre peut-être Kevin De Bruyne euh, vraiment au-dessus oui. si, euh, si on veut chipoter, il n'y a pas Messi. Il mm n'y -hmm. a pas ce mec-là légendaire et ainsi de suite. Donc, tu as raison de t'avancer sur cette question. Ça, ils sont trop prévisibles. Jusqu'à jusqu ce qu'un jour euh, le Marais ou, ou autre fasse euh, la, la décision en finale avec des ah, champions. Mais c'est étonnant qu'il ne se positionne pas sur un Bappé par exemple aujourd'hui ou sur un. Alors Lambe, On sait qu'il y a un troisième club. C'est Liverpool, paraît-il. Ah, c'est troisième. Ouais, ouais. ah, putain, relou Liverpool. Formation Julien Ménard. Hein, je, Mbappé, je tiens à vous le préciser, donc n'a formation sur. C'est pas Metz. Fabien Mercadal m'a que Non, <laughs> non pardon, excusez-moi. <laughs> On referme ce, 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 petit, ce petit passage foot pour parler euh, eh bien tout simplement de basket. On ouvre une belle page basket, pardon, excusez-moi, dans les news, les gars. Avec toi, Tom, et Gros point des play-ins qui vont commencer à partir de mardi. play in auxquels on le sait, eh bien, les Lakers ne partent oh là pas. Excuse-moi. Je oh, veux qu'on qu parle de ça. Laisse, on c est, est frais et dispo. <laughs> euh, on va éviter. Je me suis mis en jaune d'ailleurs pour faire mon vrai. deuil. <laughs> euh, non, effectivement, les Lakers donc, finissent 11 e de, de la conférence Ouest. Mais hier soir, c'était la fin de la saison régulière. Alors, au-delà au des, des matchs et des résultats, ce qui était intéressant, c'était de savoir quelles étaient les affiches de ce play-in. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce play-in et qui n'ont pas l'habitude de suivre la NBA, il y a trois ans, Adam Silver, euh, donc le, le commissaire. De la NBA, le méga boss, a décidé pour relancer un peu l'attrait de cette fin de saison, de cette entre-deux saisons, euh, donc saison régulière et avant les playoffs a décidé de faire des, des barrages. Donc euh, avant, il fallait être euh, 8, 8, dans les 8 pour se qualifier dans une conférence. Et bien maintenant, il faut être 6 sinon tu es obligé de passer par ces fameux barrages. Donc voici euh, le pays tournament. C'est comme la Ligue 2 en fait. C'est un peu comme la Ligue 2. C'est un peu comme la Ligue 2 sans, sans descente quand même. Hein. Donc euh, regardez la conférence euh, ouest, ouais, on va commencer pas à gauche. Ouais. Et avec de l'intérêt. Et, et avec de l'intérêt avec Donate, regardez, on va commencer par euh, allez, côté gauche, d'habitude on fait par l'est mais là on va commencer dans la conférence ouest, 7e 8e, c'est en bas, Minnesota et les Clippers sont donc euh, 7e et 8e, vont jouer un match pour la septième place. Celui qui gagne, il passe. Dans l'autre la, partie, du coup, tu as euh, 9e Pelicans, 10e les Spurs qui ont piqué cette place euh, aux Lakers, s'affrontent pour un match. Le vainqueur affronte le perdant du premier match. Donc, lorsque tu es 7e ou 8 tu n'as qu'un match pour te qualifier. Si tu perds ce premier match, tu as une deuxième chance pour te qualifier. Donc, euh, voilà tout simplement. Et euh, à droite, donc dans la conférence Est, Brooklyn, euh, favori, euh, à peine caché de cette conférence, euh, avec les Bucks, eh bien, est 7e, à la surprise générale, euh, avec les blessures, ainsi de suite. Je raconte Cleveland. Qui a eu plus de mal à finir sa saison. Atlanta et Charlotte, euh, eh bien eux seront aussi 9e et 10e. Donc ça va promettre franchement des matchs super cool puisque c'est sûr un match. La NBA, vous savez que c'est au meilleur des, des 7. Donc en général, c'est très long. Tu as le temps de, de faire des, des ajustements d'un match à l'autre. Là, mon gars, si tu perds, c'est fini. C'est fini, entre. comme en Marche Madness. Mmh. Donc euh, voilà, ça commence mardi soir, mardi, mercredi et jeudi. Ça va être fantastique. Et puis ce soir, on va prendre le temps d'en discuter. On rappelle mmh. que c'est. Je vous pose quand même la question. On rappelle que c'est un format qui a été mis en place pendant le Covid, c'est ça, en 2020. Ouais, ça fait, la 3e ça, année. Exactement. Vous, vous vous régalez de ce, de ce format là Je suis mitigé. Moi, ouais, je, suis un, je suis un peu mitigé parce que c'est vrai que ça relance, ça relance parfois des, des, des fins de saison où euh, des fois tout était un petit peu acté et on avait euh, les 10-15 derniers matchs de saison régulière qui n'avaient plus grand intérêt et on rentrait dans un tanking incroyable. Et C'est vrai que pour le spectacle, c'était pas fou. Maintenant, euh, tu arrives à sauver la saison de certaines équipes qui ne méritent pas d'être sauvées. Alors les Lakers passent à la trappe. Euh, là, parce qu'ils sont, ils ont vraiment creusé très profond. <laughs> Mais je pense à des autres équipes. Quand tu es dixième d'une conférence, pour moi, ta saison doit s'arrêter en avril euh, et pas et pas et pas espérer pourquoi pas aller jouer à un, un un tour de playoff Donc voilà, je suis assez mitigé entre sur les deux formules. J'arrive pas encore à vraiment à, 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 à véritablement trancher. Ouais, je, je te rejoins complètement. Euh, déjà, la NBA, c'est pas un truc qui, qui aime changer. Alors euh, en ce moment, ouais. on est en train de discuter pour pourquoi pas d'une un, stern euh, cup. alors ouais. euh, L'idée, ce serait de rajouter un autre tournoi à mi-saison, un peu comme ah ouais. parce qu'on connaît à la, la Leaders' Cup, par exemple, la coupe, à, la coupe du Roi en Espagne. Rajouter un truc au milieu, là, hop, hop, ça donnerait un petit titre de mi-saison, juste parce que on a ouais, envie d'avoir des audiences, et ainsi de ouais. suite. Maintenant, il y a l'autre versant, c'est que quand on vit les, les, le play-in, mm. c'est lourd Et dernière, mm. le Warriors-Lakers, on s'est régalé, Polo mm. Non, mais c'est clair. Moi, je, je suis plutôt fan de, de, de ce format, parce que j'aime bien les matchs les matchs coups près, et finalement, NBA, euh, historiquement, c'est pas, pas du tout la mode. Alors, on peut... Euh, on peut... Pour le reprocher et se dire que, bah oui, justement, que c'est pas l'ADN de, de cette ligue. Moi, j'aime bien dans le sens où, voilà, avant les playoffs euh, bah maintenant, tu sais que t'as cette étape-là et tu sais que cette étape-là, elle va être lourde, déjà parce qu'elle est quand même assez raccourcie. On, on aura les matchs mardi et jeudi et euh, les troisièmes matchs du coup, pour, pour le, le dernier seed le, le, dans la nuit de vendredi à samedi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, je, je l'ai sous les yeux, c'est ouais. exactement ça. <laughs> et, et ça va être cool, parce qu'encore une fois, comme Erwan l'a dit, c'est des matchs secs. Et ça, ça change tout dans l'appréhension, la, dans, dans, la, bah, dans, dans la préparation d'un match, et dans la manière dont les spectateurs le vivent. Donc, euh, on va se régaler. Moi, moi là, juste où je rejoins Erwan, il dit que euh, ça permet à des équipes de se sauver, ça, surtout, ça met en péril des équipes qui ont réussi à se qualifier. Je pense à Minnesota, qui galère chaque année, euh, enfin, depuis des années, à se qualifier en playoff. Aujourd'hui, ils arrivent à, à valider leur, leur, euh, leur, septième, leur septième place. Donc ce, qui est, ce qui est bien, ouais. et tu te retrouves face aux Clippers, et tu t'es presque pas favori. Je pense à Cleveland qui va se retrouver face à euh, tu, 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 as Cleveland qui va se retrouver face à Brooklyn. Et après les Hawks Alors que personne n'attendait Cleveland en playoff, tu te retrouves face à Brooklyn, tu sais que tu vas sortir à la limite. Donc c'est terrible pour les petites équipes, enfin les, les, les moins favoris, quoi, les outsiders qui, qui ont reçu une bonne saison régulière. Et eh bien, en tout cas, on suivra ça de mardi à jeudi. Les play-ins, bien sûr, de, de NBA. R1 hein, on continue avec toi sur le basket. Basket féminin, puisque les, les, les Coupes d'Europe ont livré leur verdict ce week-end. Deux amours dans la vie, le basket et les femmes, vous le savez. Donc, parfait. Cette nous tombe à point. Un, un peu jaloux en face, mais. <laughs> Cette nousse, donc tombe à point. On va parler rolique féminine, puisque donc, euh, la compétition s'est terminée euh, ce week-end. La finale, c'était Sopron, les Hongroises, face au Fener. Ça se passait à Istanbul. Donc, jamais simple d'aller gagner euh, là-bas, surtout en finale de Coupe d'Europe. Eh ben, C'est l'exploit quand réussi le Hongroise d'aller s'imposer 60 à 55 et la MVP de la finale c'est Gabi Williams la franco-américaine qu'on a découvert pour certains avec l'équipe de France cet été avec le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques 16.7 sur 14 au tir 4 bons 17 déval l'ailière. On voit derrière toi, Manu, toujours grand sourire, euh, qui a réussi encore un super match, qui a réussi une super saison à seulement 25 piges. Elle est donc MVP de la finale de l'Euroleague. Bravo à Gabi oulam ce qu'on retrouvera euh, cet été euh, à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On enchaîne avec toujours les coupes d'Europe et Bourges, qui a gagné l'Eurocup. C'était jeudi soir. Une, euh, alors la finale, honnêtement, on va pas se mentir, euh, ça, a été une, ça a été dramatique. Une ouais. 74 à 38, Oula, <laughs> face à Venise. Venise n'a marqué que 9 points en deuxième mi-temps. Honnêtement, ce n'est pas rendre au service au basket féminin d'avoir fait ce qu'elles ont fait, Venise. On ne va rien enlever à la victoire de Bourges, qui, pour le coup, le vrai match à voir, c'était la demi-finale face à Galatasaray. Euh, victoire 69-67. Elles étaient menées de 8, de 8 points encore à quelques minutes de la fin. Elles ont réussi à renverser donc le, les Turcs de Galatasaray. Euh, sixième titre européen pour Bourges. Ça se passait en plus au Prado, dans la salle de Bourges, dans une ambiance incroyable. Sixième titre européen, je le disais. Ils ont gagné trois fois l'EuroLeague, ils ont gagné deux fois l'EuroCup, dont cette année il y avait la Coupe Ronquetti, mais la, la Coupe Ronchetti qui est devenue l'EuroCup, on va dire trois EuroLeague, trois EuroCup pour les filles de Bourges, qui est l'un des clubs de basket français, hommes et femmes inclus, les plus, les plus victorieux sur la scène européenne. Et c'était bien de souligner ça, nos Françaises, et le basket français féminin va très très bien. Exactement, bah ça c'est une bonne nouvelle. Voilà pour commencer un lundi comme ça tranquillement avec de belles réjouissances. Montpolo, il s'est Il y en a Rupert MVP. D'abord ah bah bah, oui, dire, il faut, ouais. le dire, oui raison, il faut le dire tu as raison. Il y en a Rupert 20 points et euh, que je sais pas qui va pouvoir défendre sur cette euh, sur cette joueuse dans les dans années le à venir. c'est un délire. On a <laughs> rarement vu ça et je sais que il y a des il y a des filles avant elle qui, qui ont mis beaucoup de paniers en équipe de France, mais là pour le coup euh, ce que fait a Rupert, c'est euh, moi j'ai jamais vu ça personnellement d'avoir ce sens du panier indéfendable. On parlait de réjouissance, justement, Polo a dû se réjouir, j'imagine, du retour de, eh bien de Tiger Woods, c'était au, au master d'Augusta. Alors, on va parler du, du master dans quelques instants, mais quand même, on ne peut pas commencer ce sujet golf sans, sans évoquer le, le retour du Tigre. Ouais non c'est une magnifique oh. histoire pardon Tom tu veux nous dire quelque chose le tigre c'est un a... tigre ça ouais, parce que j'ai cru que, ah, lui, cru que, que, vrai, que tu me que traitais de suceur là Si tu m'amènes dans un safari <laughs> j'y vais pas acheter du alors là vous voyez un beau tigre du Bengale c'était pas c'était pas mal tu, tu, ouais, tu le refais pas bon, oh, c'est un tigre ça. un un tigre il fait crois moi que c'est miaule mais, mais moi je prends en courant c'est un, tigre... un tigre enrhumé avec le ouais, pollen et tout. allergique au pollen ouais non Manu c'était c'était comme la belle histoire de ce week-end c'est le le, le retour de Tiger Woods dans le plus grand tournoi mondial, dans le haut plus haut niveau mondial. Lui qui a eu un terrible accident de voiture il y a maintenant un peu plus de, de, de 13 mois. Un accident où on lui promettait peut-être une amputation de, de la jambe droite. Alors finalement, euh, bah c'est un combattant, on le sait, hein. même physiquement. Ça fait des années qu'il a des soucis, notamment... Euh, Notamment au dos, il est toujours, il a toujours su revenir, Notamment au Masters, il y, a, il y a trois ans, on se souvient de ces images incroyables où il va chercher le titre avec toute la foule qui le suit sur le, sur le dernier trou, une, une image, ans. une image exceptionnelle. Déjà il y a trois ans. Et ouais, comme je vous l'ai dit, il, il, il y a 13 mois, il se fait ce, ce terrible accident, et alors qu'on l'imaginait déjà à peine pouvoir remarcher, alors voilà déjà au plus haut niveau mondial au Masters d'Augusta, chez lui, un hein, tournoi qu'il a déjà quand même gagné cinq fois dans sa carrière. Ok, il a participé 24 fois. On se demandait un peu dans quel état il allait être. Lui, qu'on avait juste vu une fois faire un tournoi pro-âme avec son, avec son fils. On avait vu d'ailleurs les, les images, c'était assez marrant. Avec un fils qui, à mon avis, sera bon à suivre parce qu'il <laughs> n'a pas l'air dégueu au, <laughs> au golf. Et bien, bah, et bah, écoute, il a, il a quand même été assez, assez fort. Alors, certes, il fait peut-être son, son pire Masters de sa carrière, mais bon, c'est quand même un, un joueur de 46 ans qui, est, qui, a, qui a eu des, des graves problèmes de. de de, de santé ces derniers, ces derniers temps, et qui a réussi à passer le cut, c'est-à-dire de faire une carte de moins 1, et, de, et de, de se qualifier sur, cette, sur ce premier tour. Il fait aussi une bonne deuxième carte le lendemain. Après, physiquement, évidemment, euh, il a souffert, notamment, notamment au putting. Il a fait une carte de, de plus 6 et de plus 7 de croix sur les derniers jours. Il termine, moi à... qui est ou quoi. Ah, est... <laughs> il termine, il termine à plus 13, à une anecdotique, à une anecdote, anecdotique pardon, 47e place. Mais rien que de le revoir et de voir aussi l'effervescence qu'il y a eu autour de lui pendant pendant tout ce tournoi. Je vous avez mis une petite, euh, un petit, un petit tweet là, de, de l'ambiance sur le sur le 18ème oui. trou. Euh, je sais pas si Jérôme il a ça, il a ça en stock. Mais en tout cas, c'était c'était magnifique de revoir en tout cas cette communion entre entre Tiger Woods. Peut-être la, la dernière, on ne sait pas. Lui, il a envie de continuer. Il a déjà dit qu'il serait à l'Open euh, à Saint-Andrews euh, le mois prochain. Le mois prochain, non, c'est euh, mi-juillet. C'est plutôt dans, dans, dans 3-4 mois. Tu es, pré es précédé à la plage. Je ouais. ouais. <laughs> suis persuadé, persuadé de te en <laughs> juin, moi. Mais il sera à Saint-Andrews du Magalouf coup pour. Euh... <laughs> il sera à Magalouf pour le. Euh, à Magalouf. <laughs> il, sera, <laughs> le il sera à Saint-Andrews du coup pour British Open, le open non, de euh, en, <laughs> en juillet. Alors on espère que c'est pas un. Il y a plus euh... de 18 trous en tout cas. Non, non, non. On espère que ce ne sera pas, pas un en tout pour euh, pour, 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 Jouer. pour Tiger Woods, mais en tout cas, il a, il a quand même aussi l'exploit, mine de rien, de, de passer le cut et rien qu'en ça, de faire une très bonne carte, euh, même deux quand même plutôt très bonnes cartes, à 47 ans, avec une jambe en vrac et un dos en vrac, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis comme voilà, je vous en parlais, euh, la, en la communion entre Tiger Woods, toujours habillé en rouge oh, le dimanche, le et le, le public d'Augusta en, en géorgie, euh, c'est toujours un, un, un réel plaisir, il était très ému euh, Tiger Woods. Très ému de pouvoir être là, qui disait lui il y a un mois qu'il ne s'imaginait pas une seconde pouvoir mmh. pouvoir pratiquer ce tournoi, donc c'est très cool. Ça fait partie des rares sportifs, mais c'est dû aussi à son sport, que l'on connaissait quand il était tout petit, qui sont encore en activité, bien évidemment, maintenant qu'on a vieilli et qu'on a grandi. Tiger Woods, on espère bien sûr vous vanter les, les mérites et surtout les, les exploits de Tiger Woods dans les semaines qui viennent, et ce sera forcément avec le, Polo le, le voie, spécialiste le, de golf de first team Le, le voir déjà sur un, sur un parcours de golf, c'est déjà un, un exploit. Belle victoire. Euh, on revient sur les masters d'Augusta euh, euh, Polo. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du tournoi du vainqueur et, et de ce que tu as pensé justement de, de ce grand... Bah écoute Manolo, je me suis, je me suis régalé, je me suis régalé. Écoute, euh, bah c'est Scotty Scheffler qui a, qu a gagné. J'en avais déjà parlé quand on avait parlé de la, la Ryder Cup. C'est quand même l'Américain qui monte en ce moment. Euh, il était un peu fanny quand même, mine de rien, l'Américain de 25 ans. Mais euh, depuis le 13 février, il a gagné son premier tournoi sur le PGA Tour et depuis, il a gagné 4 des 6 tournois auxquels il a participé. Il a pris la place de numéro 1 mondial à Yon Ram euh, le euh, L'espagnol et là en plus euh, cette année il rajoute du coup son premier Masters euh, du coup c'est une performance assez exceptionnelle pour un mec qui a dominé euh, bah, les quatre jours de compétition euh, de la tête et des épaules qui s'est fait un peu peur sur le dernier jour notamment face à un Cameron Smith l'Australien qui revenait fort et surtout l'extraordinaire dernier jour de Rory McIlroy euh, l'Irlandais qui a été euh, qui complètement habité le dernier jour et qui est venu mourir à trois petits coups de, de l'Américain. Euh, Mike Kilrock a d'ailleurs dit que c'était sa plus belle journée de golf de sa carrière ces derniers, ces derniers ouais, jours. On peut dire venant de lui. Hein. <laughs> lui qui a quand même vu des, des vertes et des pas mûres. Et euh, Mais ça, ça a quand même suffi pour, pour Scotty Scheffler qui va s'assurer son, son premier Masters, du coup, comme, comme je vous l'ai dit. Euh, c'est marrant parce qu'il était très stressé, il en a parlé. Euh, il avait beaucoup de mal à respirer ces deux, trois derniers jours, beaucoup de mal à aller, à, à aller aux toilettes. Mais dès qu'il arrivait. <laughs> non, mais c'est exactement les mots qu'il a dit. et dès qu'il arrivait sur le parcours, il arrivait à, à vraiment oublier tout ça, à faire abstraction et à jouer le meilleur golf de, de sa carrière. Lui qui joue actuellement le meilleur golf de, de sa carrière. Comme je vous l'ai dit, il est niveau numéro 1 mondial. Il vient de gagner le, le, plus, beau, euh, le plus beau des Masters de, de la saison. Bah, on, lui souhaite, on lui souhaite de continuer. Et comme je vous l'ai dit, maintenant, bah rendez-vous. Euh, pour le prochain euh, à Saint Andrews pour l'Open. Euh une question moi, comment va la marmotte de Cheffleur? <rire> <rire> tu sais qu'en en venant, en venant sur ce studio, si tu parlais des, 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 le, le côté mental, en tout cas, euh, le côté mental en tout cas qui a trait au, au golf. Je posais une question à Apollo sur le chemin du studio. Je lui disais, à ton avis, c'est quoi le, le sport le plus difficile mentalement entre le golf et le tennis Franchement, c'est une et question que euh, J'ai répondu à Manolo. Je lui ai dit, il y a quand même cette adversité face à un mec en face de toi et que quand toi, tu es dans le dur, le mec, il te regarde dans les yeux en mmh. disant, bah, je vais te mettre encore plus la tête dans le saut. Et je me dis, peut-être qu'en ça, euh, le tennis, c'est encore plus dur que le golf où pour le coup t'es il y a une adversité mais elle n'est pas frontale tu vois ce que je veux dire tu as parfois un mec qui qui, qui euh, bah, tu partages toujours ton euh, tes parties avec un autre mec en tout cas dans dans le dans le golf professionnel en général c'est un mec qui est pas très loin de toi au, au classement mais en fonction de par exemple son début de parcours ou si lui il fait quatre que toi tu fais quatre birdies vous êtes plus du tout dans la dans la même dans la même course dans la même dynamique là le tennis c'est quand même une opposition euh, franche et je pense qu'en ça alors on peut demander au chat oui tu peux la chercher tu peux la chercher mais reste à zéro ouais. tennis tu vois je, je pense que j'ai le tennis il ouais. y, y a un truc sur le tennis qui c'est qu'en plus tu es dans le dur physiquement plus que plus que le, le golf et du coup ça te rend plus fou euh, ouais, mentalement j'ai l'impression que tu craques plus facilement ouais. je vois, en tout cas moi j'ai regardé pas le golf mais j'ai vu plus de joueurs de tennis péter des raquettes <laughs> euh, que des joueurs de golf lancer leur club donc donc je pense que quand même l'aspect physique joue un peu dans la tête forcément tu perds en lucidité etc il y a deux questions là dans le chat pour toi, Polo. On reste très rapidement sur le golf. Il y a Farid Mortelette qui nous demande, qu'est-ce que c'est une famille. carte au golf Une carte, bah écoute, au golf, euh, sur un parcours, tu as 18 trous. Euh, et en fonction euh, des parts, c'est-à-dire du nombre de coups que tu dois faire pour, euh, bah, pour assurer euh, ta carte, ça varie, mais normalement, c'est plutôt autour de 62. En tout cas, sur le Masters d'Ogulta, c'est 62. Donc, tu as, en gros, pour faire un score neutre, euh, besoin de taper euh, 72 coups sur les 18 trous. Alors, parfois, sur certains trous, tu dois en taper 5. Parfois, tu dois en taper 3. Parfois, tu dois en taper 4. Euh, si L'objectif, du coup, c'est de taper des coups euh, sous le par. Parce qu'on appelle ça le par, le score neutre. Et à chaque fois, par exemple, bah, tu veux, euh, sur un par 5 augmenter un peu ton score. L'idée c'est de faire un coup de moins, voire deux coups de moins. Un coup de moins un birdie, deux coups de moins un, un eagle, trois coups c'est un albatros, ça arrive quand même très rarement mais c'est assez, assez exceptionnel. Et du coup à la fin ça te donne un score, soit euh, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, soit plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et plus ton score est élevé moi plus t'as fait de coups au-dessus du par et, et moi c'est bon pour toi et pour ton classement en gros l'idée c'est d'avoir le score carte, et, plus ta carte, et, carte mauvaise, et plus ta carte est mauvaise et plus ta carte est mauvaise et l'idée c'est d'avoir le, le, le de de faire le, le moins de coups possible euh, sur ce, sur la totalité c'est dix 18 et on avait une deuxième question quelle est du coup la carte de lolo white ce week-end ça <laughs> c'est vrai, une vraie question qu avait, ce, ce serait ce serait intéressant écoute je l'ai pas vu il a pas passé le cut au masters au masters de Augusta, lui non plus à savoir souvent il était avec un beau on s'inquiète pas ouais, tout va bien s'il a pris le petit déj au vin blanc ou pas quoi et, et, et Guilco <laughs> qui nous dit que c'est toujours 72. Euh, je voulais j'étais pas sûr à 100%, donc je l'ai pas dit, mais, euh, mais en tout cas, on remercie le chat de nous assurer ça. Donc voilà, en gros, euh, tu as 18 roues, la carte c'est 72, et l'objectif c'est de faire le Moins possible de, de ça. 72 c'est neutre, en dessous c'est cool et au-dessus c'est pas très cool. Laurent et Blanc pas. qui pourrait être sélectionneur du Nigeria. J'ai vu. Ah ouais, je... d'accord, j'ai cru que tu allais me dire qu'il allait reprendre l'équipe de, de, de golf. Le de Bogossian bon, Bogossian comme... avait été sélectionné ouais, Il devait peut-être de reprendre ouais. Galatasaray j'avais ouais. vu il y a, y a deux semaines c'était la rumeur et là c'est le Nigeria finalement. Polo il doit peut-être. Il doit peut-être. Peut voilà, il va falloir qu'il signe hein, parce que sinon <laughs> un jour il va, il va disparaître comme ça du, du milieu et on n'en est pas très très loin. Merci Polo pour ce point golf. C'est toujours un plaisir Manu. Non mais exactement et puis c'est vrai qu'on n'en parle beaucoup donc quand on en parle on, on, on lui donne bien sûr du temps à ce sport euh, de long du temps la Formule 1 les gars un petit peu quand même parce ah oui. qu'il y a eu un, il y a eu un pas un beau grand prix on peut on va pas dire ça un grand prix qui était déjà très tôt le matin c'était un petit peu compliqué ce qui est un peu euh, bon c'est jamais facile le week-end quand c'est comme ça bref on s'en fiche surtout si le grand prix est chiant quoi surtout sur le grand prix est chiant voilà très clairement on va le dire <laughs> comme ça le grand prix n'était pas fou fou du côté de l'australie c'est un retour à l'australie après l'épisode covid on va dire qui, qui a empêché la formule 1 de faire étape à, à melbourne euh, la dernière édition c'était en 2019 donc c'était le grand retour pour un, sur un tracé qui avait été justement un petit peu modifié pour le rendre notamment plus rapide on pensait justement qu'avec ce ce nouveau tracé. Je vous rappelle le, la physionomie depuis le début de la saison. On a une Red Bull qui est très rapide sur les lignes droites et une Ferrari qui est très rapide dans les virages rapides, moyens et lents notamment. Donc on pensait que ce serait à l'avantage de Red Bull. Et eh bien non, finalement, c'est Ferrari qui a complètement poutré Red Bull pour deux raisons. La première, c'est le rythme et la gestion notamment des, des pneumatiques où Ferrari a véritablement trouvé des solutions là où Red Bull a été vraiment en galère tout au long du week-end. À l'image de ce qu'a dit Max Verstappen qui disait qu'il se sentait très très mal dans cette voiture, qu'il n'arrivait pas du tout à la comprendre en tout cas pour ce week-end australien. Et, euh, et donc Charles Leclerc a tiré son épingle du jeu. On n'avait pas vu un Charles Leclerc, une Ferrari aussi dominante en tout cas euh, depuis le début de, de cette saison. Ce qui pose une question est-ce qu'il y aura véritablement du suspense dans ce championnat du monde D'autant plus que Max Verstappen a encore abandonné sur un pépin mécanique, un problème lié notamment à l'alimentation de son moteur en essence. Et euh, que également son coéquipier Carlos Sainz, qui dispose de la même voiture que lui a fait des erreurs, a été victime d'erreurs aussi également de, de Ferrari, a un, un petit peu trop surconduit, et donc est parti à la faute et a dû, euh, et a dû abandonner. Euh, voilà pour, pour ce Grand Prix. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je ne pense pas que vous l'ayez regardé en direct, les gars. Suis... Alors Mercedes est complètement en galère. Euh, ils sont, on va dire, alors, des points, notamment par rapport à... c'est ça. C'est le paradoxe de Mercedes en ce moment, c'est que Toto Wolf disait, à la fin de ce week-end, il disait on est la cinquième force du plateau. Ça paraît complètement fou, on se croit dans un mauvais film de science-fiction. Euh, mais mais c'est le cas, ils étaient à peu près quatrième. Plus quatrième force que cinquième force, on va dire. Et euh, si tu veux, la chance, s'il y en a en tout cas dans cette situation, c'est que la voiture marche vraiment pas fort. Ils sont à une seconde des leaders, mais par contre, ils sont fiables et donc ils profitent. Bah, des soucis, soucis techniques de ceux qui sont devant euh, ils ont profité notamment c'est vrai qu'Alpine a mal géré parce qu'Alpine n'a vraiment pu finir je pense devant, devant Mercedes mais, mais Alpine a raté le coche en qualification et en course euh, ils ont profité forcément de l'abandon de Max Verstappen et puis ce qu'il faut dire c'est que Lewis Hamilton on n'en parle pas beaucoup mais en ce moment il est vraiment valeureux il a fait un départ Extraordinaire avec le matériel dont il dispose. Malheureusement, il a été valeureux, mais malheureux parce que la stratégie et l'effet de course ont été plus à l'avantage de, de son coéquipier George Russell qui est allé chercher son, son premier podium. Et du coup, là, tu, tu parles un peu des, des forces et faiblesses de, de Ferrari, euh, Mercedes, Red Bull. Tu vois comment la suite, là, du coup, avec Imola, notamment dans, dans deux semaines ah, C'est compliqué. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à penser qu'à Imola, Ferrari aura le, aura le dessus. Après, souvent, quand on joue ce jeu-là, un petit peu des pronostics, bah, on se rend compte arrivé sur place que c'est pas tout. Le, le pronostic qu'on avait fait une semaine ou quelques jours avant. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, les gars, c'est que les problèmes de Max Verstappen, le fait que Saints craque un petit peu, on va dire, ce week-end, alors qu'on n'est qu'au troisième week-end d'une saison qui va être super longue, le fait que chez Mercedes, on commence à dire, ah, mais nous, on reviendra, on, enfin, revenir à hauteur des leaders, on, on escompte le faire si tout va bien à la moitié de la saison. Je suis en train de me poser la question de savoir qui va pouvoir arrêter Charles Leclerc et quelle saison va avoir. Parce que c'est vrai qu'on sort d'une saison 2021, on était tous passionnés, ceux qui suivent de près comme ceux qui suivent de loin, parce qu'il y avait ce, ce duel assez extraordinaire. Et là, après le troisième Grand Prix, tu commences à te dire, oula, mais en fait, ça peut être une, une mainmise de, de Charles Leclerc sur, sur cette saison. Attendons de voir, comme on l'a dit, hein, euh, à chaque nouveauté technique qui arrivait sur les voitures jusqu'à présent, c'était des dixièmes de gagnés, là ça sera peut-être des demi-secondes, voire des secondes euh, à l'avenir, donc on peut avoir une hiérarchie qui peut être bousculée, mais… Pour le moment, Leclerc et Ferrari prennent les points que les autres ne prennent pas. Et ça, c'est vrai que ça peut être in fine un, un handicap aussi également pour les autres. On a Farid de, de la Mortelette. De la, de la De morlette. la morlette, pardon, De la, <laughs> la, la Peut-être parce que j'ai faim. C'est pour ça. Farid de la morlette qui nous dit à Imola, la Red Bull devrait euh, gain, perdre 7 kilos parce que c'est une course au poids aussi dans le développement de ses voitures. 7 kilos Exactement. Ouais, 7 kilos, c'est énorme. Je, mais... je veux bien la formule. Il <laughs> <Putain. rire> faut peut-être boire du Red Bull, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est la course au poids, on va dire, pour ces voitures. Qui, qui avec cette nouvelle technologie sont vachement lourdes et surtout il y a beaucoup, hein, il y a un côté très hétérogène entre les écuries euh, sur cette question du poids et euh, si on parle de 7 kilos c'est parce qu'aujourd'hui on estime aussi que Red Bull a je crois entre 8 et 9 kg d'écart avec, euh, avec Ferrari donc tu imagines euh, sur un on va dire des pistes où ça se joue à chaque fois au dixième voire au centième bah, forcément les kilos euh, les kilos ont leur importance voilà. euh, c'est une question un peu hâtive mais euh, avec tout le scénario qu'il y a eu autour de Lewis Hamilton savoir s'il revenait est ce qu'il a bien fait de revenir bah, je pense que alors, après si tu veux, il y, y a eu un emballement mé médiatique parce qu'il avait disparu des réseaux. Tout le monde s'est dit, bon, bah, il va partir. Ouais. Allez, Wes Hamilton, partir, un champion comme lui, partir sur un, sur un échec. Et en plus avec la manière de... La on t'oublie pas. La on t'oublie pas. La non plus. En régie, on a réussi. Exactement, là, tu as raison de le préciser. Et si tu veux, voilà, c'était moi, j'y croyais pas du tout au fait qu'il parte. Il avait signé en plus un super contrat sur deux ans avec Mercedes. Maintenant, euh, attendons de voir. Peut-être que Mercedes est en train de construire le. Euh, Peut-être que Mercedes est en train de construire la, la voiture qui va dominer les quatre ou 5 prochaines années. Okay. Et, et lui, il doit, il doit entrer dans le livre des records. Donc, il veut rentrer dans le livre des records, et, et on lui souhaite. Pourquoi Vous rigolez, les gars. Non, 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 pas du tout. Non, c'était un super résumé. J'ai hâte voilà. de voir le prochain Grand Prix, qui ne sera que le quatrième sur 38. <laughs> C'est une, une saison ligue 1, cette saison. Et de exactement. F1. Et vous êtes concernés, les gars, puisque ouais, ouais. je rappelle que vous participez à chacun de ces tournages et que nous travaillons main 75 dans la main. 15% de l'équipe participe. On ne dira pas qui, quand. J'ai j'étais au du tournage, quand même. <laughs> les pistolets, bien sûr, l'émission à retrouver aussi également pour le débrief, si vous le sur la chaîne. First, ah oui, ligne. tout à fait, exactement les gars. Image de la semaine. <laughs> On reste sur le sport automobile. Je le dis parce que cette image a été sélectionnée par mon ami Polo qui m'a fait grandement plaisir. On est en deuxième division de NASCAR. Ça s'appelle la la X. Finity, pardon, excusez-moi, series, deux jeunes pilotes euh, qui se viennent de se rentrer dedans, et là, on oh, a oh, droit à de... un bon oh échange. Voilà. C'est pas Ocon Verstappen, c'est un oh, petit oh, peu plus viril, et c'est pas pour nous au ouais. Au début, il faisait le malin, le mec en bleu, il a pris deux, ouais, deux ouais, patates. Ouais. Bah, Après, voilà. tu remarqueras que celui qui a mis le premier coup a gardé son casque. Ça, c'est ouais, déloyal. Ouais. Ok, on enlève les gants, on ouais. enlève ouais. le casque. C'est ça, tu vois. Très, il paraît que c'est déconcilier de se battre avec des casques. Il va mettre un coup de poing dans un casque quand même. ça va faire mais quand toi, tu te bats, il faut toujours enlever ton casque parce qu'après, il y a une espèce, un effet, je crois, de. Il a un air de latif à par contre, moi je, moi je suis toujours très surpris, c'est quand tu viens faire le fou comme ça parler quasiment en tête à tête. Il en prend une, il a, il a pas une fois le réflexe de répondre. Donc, ah. moment, non, quand il est au sol, t'as vu C'est un réflexe, Quand tu veux faire le Johnny, il faut être prêt, quoi. Quand tu te rapproches autant de faut être prêt à répondre. Voilà, exactement. Il a bien ramassé, en tout cas. On me dit dans le chat, Polo n'a même pas parlé de l'Amstel Gold Race, par exemple c'est pas ton genre parce qu'on va en parler tout de suite avec cette photo finish j'ai vu ça hier en suivant le, le contrôle libre sur, euh, sur Twitter une photo finish abonnez-vous exactement tu as raison de le préciser euh, une photo finish qui laisse perplexe on a deux vainqueurs mais qui a gagné Polo Ah c'est incroyable parce, parce que euh, euh, alors je vous <laughs> explique euh, rapidement qui sont un t'as dit quoi j'ai pas entendu euh, en fait, en un en, en, en tout cas on arrête avec ça 400 000 voix d'écart là je le vois tout de suite non mais ce qui est terrible c'est que voilà du coup on voit sur la photo le français Benoît Cosnefroy qui aurait pu notamment Bernard Hinault on avait, euh, personne, aucun Français n'avait gagné euh, la classique néerlandaise depuis Bernard Hinault, donc ça fait plus de 40 ans euh, il me semble Benoît Kosnefroy qui arrive au sprint avec euh, Michel Katkowski le, le Polonais de, euh, de, du team Ineos, euh, Ineos Grenadier euh, les deux doivent se la jouer au sprint. Normalement, Benoît Cosnefroy est plus fort, il est plus en canne et surtout il est, il est plus jeune. M M Michel Katkowski est un ancien champion du monde, ancien vainqueur de, de monuments, mais euh, c'est plus sa première jeunesse. On se dit que ça sent bon pour le français. Le français lance le sprint euh, en premier. Le français a l'air de tenir. Katkowski se décale, Katkowski remonte. Et les deux arrivent exactement euh, en même temps. Alors. Moi, sur l'impression visuelle de la course, j'ai l'impression que Tchadkowski est passé devant. Je le tweet direct, je dis Putain, Brian, Brian, <laughs> non, mais Benoît Costefroy <laughs> a perdu. On s'arrête, les deux ne savent pas il y a un moment de flottement. Et là, tu as un mec dans les oreillettes qui dit Victoire de Benoît Costefroy. Alors là, tout le monde est content, tout le monde exute. Moi, je suis un vrai. peu surpris, mais, mais j'exute parce que quand même un, ça aurait été quand même un exploit assez, assez retentissant. Il faut savoir que l'Amstel Race n'est pas un monument, mais. Beaucoup de gens en parlent comme le sixième monument naturel de, de l'histoire du, du, du cyclisme. Et ça aurait, été un, ça aurait eu un retentissement assez, assez exceptionnel. On se dit que Benoît Cosnefroy a gagné. Mais en fait, euh, le mec qui l'a dit ça est un, est un commissaire de course qui bosse sur, sur Radio Tour. Et qui a, qui a dit euh, qu'il a dit au feeling, en fait. Il n'avait pas du oh tout non. vu la, la photo finish. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas envoyer Jérémy au feu, mais la réelle photo, la réelle photo finish, on ne l'a pas. Mais il a, le, le commissaire qui a annoncé ça n'a pas attendu d'avoir vu la photo finish. Et on le voit bien à la photo finish, en fait, et on le voit même sur ce ralenti et la caméra de face, qu'en fait, euh, Kiatkowski euh, bah, est, 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 est juste devant. Et euh, du coup. Et bah, Benoît Kosnevoy qui se dirige vers le podium pour aller, pour aller euh, chercher sa, son, son, son titre, enfin sa, sa petite coupe, et bah, euh, sur la route du podium, on dit non, en fait c'est pas toi qui a gagné, c'est Katkowski qui a gagné. Et du coup, euh, énorme euh, fausse joie, et euh, notamment la Fédération française de la loose euh, s'en est donné avec ah bah leur joie. Oui, <laughs> Ça fait deux ans euh, qu'il y a des histoires de, de photo-finish un peu chelou sur Lamestel Gold Goldrest. L'année dernière, où on se souvient que Tom Pitcock, coéquipier de Katkowski, s'était fait un peu avoir par Wood van Hart avec en fait une photo-finish. La photo a été prise pas au même endroit que la ligne d'arrivée. Alors je vous explique un peu le bordel. La ligne d'arrivée était là, la photo finish était là. Sur la ligne d'arrivée, c'était plutôt Tom Pitcock qui avait l'air d'être passé premier, mais sur la photo finish, c'était Wood van Hart. On a donné la victoire à Wood van Hart. Ça fait deux fois pour l'Amstel Godress. Pas une excellente pub, même si c'est pour deux raisons différentes, mais en tout cas, si les commissaires de course Il tournent à l'Amstel aussi pendant la course. C'est peut-être Michael Masi aussi, je sais pas, qui peut-être changé de sport par contre, ce qui est régalade c'est que les mecs s'envoient des énormes Q-Secs sur le podium. Je sais pas si vous avez pu voir ça sur les sociaux mais on donne une, une espèce de encore plus qu'une girafe d'Amsel Goldrest aux gagnants et les, 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 les mecs sur les cotons on leur donne une pinte, ils te la sifflent, ils te la sifflent directement. C est c est même, et c Benoît froid qui a ouais. pas gagné la course mais en tout cas il a gagné le, le titre de la plus grosse descente des trois qui étaient sur le podium, facilement. Ah ouais <laughs> Ah c'est qu de... vrai qu'on voit qu'on voit dur quand Alaphilippe avait été champion du monde, on avait vu des vidéos de lui complètement rôti euh, en train de célébrer avec le maillot. Pas euh... ouais, ouais. <laughs> <laughs> paré. Cosnefroy, il a, je crois, il a, il, a, il, a 20, il a 25 ans, un truc comme ça. Il a déjà battu Alaphilippe euh, deux, plusieurs fois. C'est un sacré coureur qui a un talent fou et on veut, dont on entend encore parler sur les monuments. Il a été beau joueur en tout cas à la fin. Hein. Il oh. Était très beau joueur. Il a dit oh, c'est dommage de me l'annoncer comme ça, mais. Il a, lui, il l'a senti directement, qu'il qu avait l'impression qu'on l'avait doublé. Donc, euh, je pense qu'au euh, au fond, au fond de lui, il, il, le, il le savait déjà. Bon, voilà, en tout cas, pour, pour les news, les amis, j'espère que la connexion est revenue. J'ai vu que ça avait, ça avait un peu Alors, bugué quand savoir, on a commencé à parler politique. Tout à hein. fait, on a parlé politique il y a des mots euh, ouais. qu'on qu n'est pas censé prononcer. Ouais. On a été directement strike. Mais pourtant, on si a parlé de gens non, qui ne euh... sont pas qualifiés. Hein, donc, Ici. apparemment, ils sont punis. Oui, je, ouais, je ça. sais, mais apparemment, c'est des mots ai interdits. Vous vous demandez quels étaient les mots euh, qui, non, non, qui sont. Non, non, je interdits répète pas. C'est peut-être <laughs> pas une bonne idée, en fait. <laughs> oui, non. Donc, euh... non, rien de grave. Hein, grave. C'est juste qu'en ouais, ouais. Ile-de-France ouais, ouais. ou à Paris, il y a des gens dont on ne doit pas prononcer le mot, mais pas des gens qualifiés. Non. D'autres gens. Est-ce qu'on peut prononcer le mot de Ben quand même elle ah, se commence par un B. <laughs> c'est pas <laughs> En tout cas, ça serait bien que ça passe. On a fait un test. Ça a l'air de passer. On pourra en débattre dans, dans quelques instants. Les amis, la perf du week-end, c'est une triste nouvelle qu'on a appris la semaine dernière. Joe Wilfried, son gars, va prendre sa retraite. On en parle tout de suite. Il l'a annoncé mercredi de la semaine dernière. Joe Wilfried songa prendra sa retraite à l'issue du prochain Roland Garros. Il entame donc sur terre battue à Monaco une tournée d'adieu. Alors, Joe Wilfried Tsonga, en quelques points, euh, c'est quelqu'un qu'on avait découvert très jeune, hein, lorsqu'il avait notamment brillé chez les juniors avec quatre titres en simple, dont l'US Open. Et on se disait, tiens, euh, cette fameuse question, euh, réflexion qu'on se fait souvent dans le tennis français, comme pour le Tour de France ou comme pour la Formule 1 d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas le nouveau Yannick Noah Une première victoire <laughs> sur le circuit ATP, c'était contre Carlos Moya. Je à demande Pékin. la question d'un oui, Formule 1. Qui sera le prochain Yannick Noah Non, le prochain. Impro... Oui, Excuse-moi. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu J'adore tous les sports, moi, vraiment. <laughs> On, se rappelle de... On se rappelle aussi que ça avait été la grande révélation de la saison 2007. C'est sa finale aussi en 2008 à l'Open d'Australie. Son... son premier Masters 1000 du côté de Bercy la même année. Bref, ce garçon qui a été finaliste des JO de Londres, meilleur classement 5e mondial, si je ne dis pas de bêtises, régulièrement placé quand même en Grand Chelem. On se rappelle aussi également de ses deux demi-finales du côté de, de Roland Garros, 18 titres, 12 finales, une Coupe Davis. Les gars, euh, je ne sais pas s'il y a une image que vous voulez retenir de, de Joe Wilfried, son gars, ça serait quoi déjà non, mais Il y en a pas mal, il y en a pas mal. il y en a pas mal, il y en a pas mal. que la bah, première image évidemment, c'est cette finale. Euh euh, en 2008 à l'Open d'Australie, ouais. où en fait, à un moment donné, j'ai cru qu'un fr Français allait gagner. De... le faire, ouais. Mmh. Et en fait, c'est ça le, le paradoxe euh, bon, de cette génération c'est qu'on a des mecs qui ont toujours été placés, qui ont gagné des tournois hyper importants. Gagner à Bercy, c'est un truc de ouf hein, ils n'étaient que deux à l'avoir fait avant, français. Hein. Euh, Joe Wilfried est un gars euh, qui a porté une génération les fameux mousquetaires, on attendait les on attendait monts et merveilles. Mais le paradoxe, c'est qu'ils n'ont jamais gagné de... ce, ce type de grand chelem qui permet de... Bah, de rentrer dans une autre strate. Mmh. Il était peut-être. Au niveau des tout meilleurs, mais il n'était pas au niveau des, des trois légendes, hein, évidemment, Nadal, Djoko euh, et Federer. C'est le seul truc qu'on pourrait lui reprocher. Après, c'était un joueur formidable, physique euh, de ouf. Avec euh, Gaël, c'était deux physiques euh, incroyables. Euh, C'est un gars qui a marqué, en fait, tout simplement, mmh. le sport français. Mmh. J'ai envie de retenir son sourire. Non, pas <laughs> On dirait qu'il est mort. C'est horrible. Sa bonne humeur. <laughs> non. non, mais il dégageait un peu la même chose que mon fils, c'est-à-dire que sur le terrain, il régalait, il régalait le public. Après, euh, moi, je trouve que ça met un petit coup de vieux parce que c'est le premier des mousquetaires à, à s'en aller. On sait que ça doit arriver depuis un moment. Il a 37 ans quand même. Porto Ceramis, ils ont arrêté depuis longtemps. <rire> <rire> Bravo à la culture. Mais, euh, mais ça met un petit coup de vue. Après, moi, euh, <laughs> l'image que j'en garde, c'est euh, bon, à l'époque euh, où je faisais du tennis, donc c'était en 2013-2014. Son gars était ce gars. Le plus régulier des Français. Parce qu'on a toujours euh, critiqué euh, mon fils mmh. Simon Gasquet qui, qui avait des hauts, débats, des bas, des problèmes un peu avec euh, le mental. Euh, lui, c'est quand même le, le joueur le plus stable. Euh, il s'est maintenu je sais pas combien de semaines dans le top 260, 10. 260, je crois. Hein. 200, 260. C'est ça, bon, non? Euh, J'ai les infos. Le, le, le premier grand moment dont je me souviens de lui, c'est euh, à Wimbledon. C'est en, en 2011, il est, donc c'est après ça. Déjà, il avait gagné son Master mill il avait fait donc cette finale à l'Open d'Australie, mais il arrive à, à, à Wimbledon et il est mené 2-7-0 contre Federer. Federer qui est sur une énorme saison, qui reste sur une finale euh, perdue à Roland Garros juste avant euh, face, à, face à Rafael Nadal. Il est mené 2-7-0 chez Federer, parce qu'on mm -hmm. ne va pas se mentir, à Wimbledon, c'est chez Federer. Et il le renverse. Et moi, je me souviens. Euh, de, de, de cette impression de puissance qui dégageait parce qu'on parle beaucoup de, de la puissance de Gaël Monfils mais euh, Douglas Rondonga c'est un énorme puncher mmh. et, et c'est aussi pour ça qu'il qu s'arrête maintenant et qu'on ne voit plus depuis quelques saisons c'est que c'est des physiques si tu t'as pas à, à 300 dans mmh. la balle bah t'existe un, un, un peu plus donc voilà un peu moins un peu, un peu moins un peu plus <laughs> un peu plus donc voilà voilà Douglas ça, ça fait un petit truc de le voir de le voir partir à Roland moi je suis toujours partagé avec, ces, avec cette génération là alors un talent incroyable. Moi, je lui en veux un peu à Joe Wifrid Songa parce que j'ai vraiment cru avec lui que ça y est, on allait pouvoir vivre ce que nos parents ont vécu avec Yannick Noah, que ça allait être ce mec-là qui allait pouvoir gagner un, un grand chelem. Mais c'est vrai que sa ça, ça finale en 2008, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il incarnait, surtout le tournoi qu'il incarnait. Ça y est, enfin, on trouvait ce mec-là. Et finalement, j'ai l'impression que c'est devenu un mec de coup où son talent incroyable a permis. De rester à, à flot, vous l'avez dit notamment sur euh, le nombre de fois où il est, le nombre de, de, de temps où il est resté dans le, dans le top 10 du tennis mondial. Maintenant, j'ai l'impression que très vite, il est rentré dans un confort en disant Bon, les trois là-haut, c'est vraiment très fort. Mm. Et, et c'est tout ce que je reproche un petit peu à cette génération et, et, et notamment à Joe Wilfried, son gars c'est j'ai l'impression qu'il n'est jamais sorti de sa zone de confort et que son talent immense lui a permis de faire des choses. Gagner Bercy, tu l'as dit, Tom, c'est pas rien. Faire une finale à l'US Open, c'est pas rien. Mais je sais pas, j'ai toujours, j'aurais toujours pour lui, pour mon fils et, et, mais surtout pour ces deux-là un goût d'inachevé. Donc voilà. Après, moi c'est marrant, je mettrai à part que... moi, tu vois, ouais. je mettrai à part de tous les autres. Oh, parce... bah, je le mets au dessus, hein, et, déjà clairement je... et, et, pour, et pour une raison aussi, c'est que tu sais, mon fils, à un moment donné, euh, il aimait bien de s'entourer d'entraîneurs, de, copains. Et donc, il se faisait pas vraiment violence en termes de, de travail. Gasquet, il avait cette euh, fracture un petit peu euh, mentale que certains autres ont, ont pu avoir. Et je trouve que son gars là-dessus, il sait quand même donner les moyens. Et d'ailleurs, tu, tu parlais de régularité euh, dans son dans son classement. Il sait quand même donner les moyens pour faire une carrière de très 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 très, très haut niveau. Alors tu vois, tu dis très 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 très, très haut. Niveau. Pour moi, il y a deux très. Oui, deux, oui. Trois. Tu vois, quand il tape, quand il tape Federer à Wimbledon, mmh. j'ai l'impression. J'ai on se dit. Bon, derrière, il prend, il prend Djoko, hein, Mais ouais. au moment où il tape Federer, il tape, il tape le, le, le grand favori du tournoi. Et j'ai l'impression, et c'est un petit peu cette. C'est dur de lui reprocher ça, mais mm. c'est pour ça que j'ai ce goût d'inachevé. Je me dis qu'il tape Federer, pour lui, ça a été. Il avait réussi son tournoi. Ouais, ouais, où il climax, tape. Euh, et derrière, il n'a jamais été capable de se remobiliser pour aller, pour aller taper Joko derrière. Parce qu'il aurait été un, un, un énorme exploit aussi. Mm. Mais c'est toujours ce côté un petit peu confort que, que j'ai trouvé, malgré un talent exceptionnel. Et je te dis, c'est certainement peut-être l'un des meilleurs tennisman de l'histoire mm. du, du tennis français. Mais je sais pas, j'ai toujours été frustré sur. sur, sur, sur il m'a beaucoup frustré. voilà. Ouais. Après, moi, j'ai du mal à lui en vouloir, notamment sur ses résultats en, en grand chelem et sur cette absence de, de, de victoire quand on voit la, la génération aussi dans, dans, laquelle, dans laquelle il est tombé. On parle de, 2000, de 2008, de cette demi-finale face à Nadal, t'imagines T'arrives à faire un exploit, t'as 22 ans, t'arrives à faire un exploit monumental face à Nadal. Derrière, tu tombes sur Djokovic, qui n'a même pas encore gagné un grand chelem, qui gagne son premier grand chelem justement contre gars et qui derrière ne va en laisser à personne. T'as déjà fait derrière, mmh. t'as Nadal qui laisse pas un tournoi, pas une miette sur, la, sur Terre battue, qui commence aussi à, à, à performer sur, la, sur les autres surfaces. Moi, honnêtement, quand je vois la, la carte de, de Tsonga, quand je, vois les, quand je vois les résultats, on peut lui reposer des trucs, notamment des, des faillites en Coupe Davis. Euh, je, je me rappelle de, de la Suisse, je me rappelle aussi de la, de la Croatie. Même face à la Belgique, quand on gagne... Oui, crois, il perd. contre Goffin. Il remet à l'endroit la première journée. Je crois perd contre Goffin sur la dernière journée. Euh, mais par contre, au niveau individuel, moi, je, je pense que sur un malentendu, comme euh, comme notamment à Wawrinka a pu faire mais c'est ça le truc mais, que... euh, mais c'est des malentendus et, bah et, et c'est difficile oh, de reprendre c'est bah, moi, ce moi ce que je oh, vois c'est difficile de le troisième on peut le 3ème, pas le faire le quatrième le quatrième fait un dixième et on dit meurait et on dit meurait on dit ouais mais sauf que ce qu'on peut regretter et alors c'est de la déception plus qu'autre chose c'est qu'il y en a d'autres qui ont gagné qui qui ont réussi et c'est jamais entendu c'est jamais on a rien à foutre il y en a qui ont réussi à actionner et c'est clairement ce qui ce qui manque à son palmarès alors je vois un gars qui disait dans, euh, il n'est il est pas dans comment dire il n'est pas dans, dans l'histoire du, du sport français ou alors le sport français est très ouais. bas c'est potentiellement le troisième meilleur joueur de son sport français il, euh, euh, il a marqué de, de son empreinte alors oui on, on peut avoir ce regret à Roland-Garros à deux fois il fait des demi où tu as la sensation après des quarts fantastiques et, et mm. trucs, puis il, 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 il se fait rou rouster mm. en demi contre Ferrer hein, où il se fait démonter oui, oui, oui complet, la, eh, la première frère, demi à Roland-Garros il, ouais, ouais. il craque et après, ouais. il, il se fait battre c'est plus serré mais en fait c'est ça la frustration c'est que il aurait dû être lui. Mmh. Il gagne un, un, un grand chelem. Vous avez parlé de Vavrinka, euh, Murray aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a d'autres exemples, on va dire, mais... de tennisman de qui ont profité à un moment donné. De, mais de, de mais de la, là où je rejoins Thomas Irvine, c'est qu'il est le parfait étendard de cette génération euh, qui mmh. ne marche que par coup Et que dès mmh. qu'elle devient favori sur un match, elle disparaît. Euh, 2015, c'est le meilleur exemple. 2015, tu sors, tu sors Nishikori. Ouais. Euh, derrière, tu as Vavrinka, euh, l'année où il a ce super euh, pantacour là, <laughs> qui, est, qui, est, qui est très fort. Ouais. Mais, mais tu es, es à domicile, c'est cette année où mmh. tu dois le battre, tu dois passer, et après tu dois aller taper Djokovic en, en finale. Moi ce qui m'énerve avec le, le tennis français, c'est que avec mon fils, c'est la même philosophie. On se dit, wow, il, il vient de taper joueur, ok, il va peut-être faire quelque chose. Et dès que tu dis, il va faire quelque chose, il ne fait rien. Et c'est la frustration du tennis français de toute façon depuis 20 ans, et même si lui, c'est le plus régulier. Reste le plus régulier dans la frustration aussi. Il y a un moment, euh, ils, ils le disent si tu prends pas un titre de grand chelem, tu prends deux Master 1000 très bien, tu dois prendre un titre de grand chelem. Il y a un moment, tu dois dire Ok, je suis favori sur ce match, je vais aller gagner. Mmh. Non, dès, dès, dès que les Français étaient favoris, bah tu te chies dessus M On Parle Del Potro aussi aussi hein, qui a, qui Oui t'as raison des aussi. Aussi. pour moi Déjà moi je mets en dans le crew avec les trois il gagne pas Mais sinon il y a que et Del pour moi dans cette période forte du trio qui n'a rien laissé à personne il on est en plein bah, oui. so so dedans je vais ça un peu plus tard. Si Autant si au si au 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 pour je, je, vérifie, je vérifie. Mais bon, il y en a eu trois. Bah ouais, c'est ouais, mmh. sur 20 ans. Oui, mais il y en a quatre par an. Il je... y en a oui, non, quatre mais... par an. Il y en a eu trois. Mmh. Bah ouais, Rendez-vous mais... compte de la. Oui, la fenêtre, elle est de la fenêtre. as raison. Mais bon, tu vas me dire. Évidemment qu'on peut lui en reprocher. Je dis pas, je n'excuse pas Joël fait de son gars de ne pas avoir gagné de grand chelet, mais j'aurais aimé qu'il en gagne. Nous tous. Nous tous. Mais le fait est qu'il faut. Certes, c'est un peu facile de ressortir cet argument tout le temps. Il est tombé sur une. Non, mais après, euh... après, attention. Maudite pour les adversaires. Après, euh, bravo, ça. belle carrière. Ah oui, T'as pris ton sûr. cash. Tu nous as mis des émotions, même par moments. Il n'y a pas de souci. J'ai un, un, un goût d'inachevé. Je ne lui jette pas une pierre en disant que, que, que c'est Thierry Champion. Tu vois ce que je veux te dire Je te dis juste que j'ai un goût d'inachevé. Pour moi, il avait le parfait potentiel, le, les qualités, le physique pour. Une fois sur sur, sur une quinzaine, aller tenter un exploit, voilà. Ouais. Il manque à son palmarès un exploit, voilà, c'est tout. En tout cas, c'est pas le premier non plus à avoir failli, on va dire, dans des matchs coupés à Roland Garros. Non. Tu tu le disais, oh, gros gens. C'est euh, tennis français, mais c'est oui. même le sport français d'une certaine manière aussi. Hein, quand tu as attendu la finale, la finale de même, on peut aller plus loin. La finale de comment il s'appelle Oui, euh, non, euh, paul henri, français, non, non. Paul -Henri ah, non, Mathieu. Non 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 non, je me suis de le Roland Garros, c'est une master class de pétage de câble. Il s'embrouille le public et tout, donc voilà bon. On est, on... Mm. Une petite, une, un petit propos moi qui m'a surpris, c'est Djokovic qui a, qui a réagi bien sûr à l'annonce la, justement de cette retraite de Joe Wilfried Tsonga. Il disait, Djoko, euh, il a été très important pour notre sport, c'est une triste nouvelle, mais je pense qu'il connaît parfaitement bien son sport et qu'il a des raisons de prendre cette décision. Euh, Marrant cet hommage quand même de, de Djokovic. Moi, j'avoue que entre guillemets, je, je m'y attendais pas. Ça montre quand même qu'il a marqué les esprits d'un point de vue mondial aussi Djokovic. C'est normal, ce non ça, Oui, Sergi, oui. oui, tu penses que c'est que de la com ou Non, moi, non, que C'est bah, un attends, cri du, du cœur. De la même génération, non, ces bah, gars euh, qui sont affrontés pendant 15-20 ans mmh. euh, sur les cours, euh, qui ont joué les plus grands, les plus grands tournois du monde, euh, encore heureux qu'ils aient un peu de respect pour l'accomplissement des autres. Moi, j'ai. Enfin, ça m'aurait étonné, au contraire, qu'il le démonte. Tu mmh. vois, enfin, son gars, franchement, il fait partie des vrais gars. Alors, oui, c'est vrai, pas, pas, des, pas les tout meilleurs, mais mmh. parmi, des, parmi les vrais gars qui, contre qui tu es toujours obligé de t'employer. Mmh. Donc, en soi. Euh même si t'es meilleur, surtout quand mmh. t'es meilleur, je trouve que c'est dans ce moment-là que tu dois avoir la classe. C'est vrai. Oui, exactement. J'aurais été étonné que Toco franchement, de son gars sur cote. Petite carrière. Il n'est pas toujours inspiré ces derniers temps quand il non. fait des est vrai, dans la presse, vrai, mais, euh, oui. mais là, pour le coup, il y a un mec qui père quand même. Après, pour son gars, c'est toujours pareil où c'est qu'on met le curseur. Après, il y a une chose que vous n'avez pas dit, les gars, c'est de son gars, là. Il a rarement été laissé tranquille aussi par les blessures, par les pépins, ouais. etc. Et c'est vrai que bon. Oh. C'est les aléas d'une carrière c genre, aléas, Il n'aurait pas dû ah ouais. jouer, euh, jouer au tennis. On peut dire Il n'aurait pas dû jouer au tennis. Il la Il avait une double hernie euh, discale. Donc euh, c'est donc un miracle qu'il ait joué au tennis déjà ah. et après euh, qu'il ait performé euh, comme ça. Exactement. Personne ne parle de la pub Kinder alors, du coup. Bah, dans savez, le chat, il y en a. Moi je l'ai dit, c'est un très mauvais Ouais, ok. En tout cas, on s'en souviendra de ça. On s'en souviendra. Et c'est un truc, ah quand même, pour notre ah bah, génération ah bah, oui, qui, resté, ouais, oui, qui restera euh, gravé je dans nos têtes. C'est un passé. Oui, vous voilà. Vous vous fâche, me fâche. Me les dis, pubs de Laurent Lagaros, là, au fou. Je me dis, les pubs comme ça, comme Gignac vous vous sur, vous avec Quick, mais dès que tu fais une contre-performance, je me souviens, on disait, mais va manger, t'es bueno. Enfin, je veux dire, ça n'aide pas tout le temps. Tony Parker, on ne lui a jamais dit. Oui, oui. Wilton Anelka avec la pub d'Alette. Magnifique, ça. C'est comme ça, on vieillit. C'est lourd. C'est tout notre souci. Avec, comme ça s'appelle aussi, notre gars là, qui aime le métro maintenant, là, Laurent Dutch. Aussi dedans, non, il sautait dans le métro métros. là. J'aurais jamais le Métro comme... et la ville de Paris. Ouais. <laughs> ben non, en parlant tu t'as Fabien Barthez maintenant qui est pour Mutuelle oui. de France ah. et, le, et le slogan c'est euh, le fair play, ce n'est pas une option. Et quand je repense ah. à l'œuvre de Fabien Barthez, les mecs quand même des fois ils, ils devraient ah ouais. se renseigner un petit peu parce qu'on ouais. peut, peut ressortir des sacrés dossiers sur notre. Après, après Fabien de Barthez restera toujours l'homme du Big Mac. Ouais ouais. quand il faisait ça, ça c'était incroyable. et Après c'était son crâne comme ça sur un dézoom là. Non ça c'était quand on parle de fair play de Barthez, je me souviens quand même d'un match. Amical au Maroc ah ou oui. quand même je ne je... sais même pas pourquoi ils ont laissé partir du pays hein. ouais, 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 vrai, raison <laughs> drôle, de, drôle de façon de faire voilà en tout cas pour, pour l'hommage à Joe Wilfried son l'hommage mais on espère on lui souhaite surtout une très très belle quinzaine à Roland Garros puisque ce sera normalement son dernier euh, tournoi on sur le central sur le, le centre, un, complètement, ouais. exactement. Donc sur le, sur le, l'annexe 17. <rire> <rire> ça fait penser à un film, vous l'avez vu, 5ème set, vous qui adorez. Non, pas encore, pas, vu, encore pas encore. pas que, que c'est top, tu as vu C'est pas mal. que c'est pas mal. C'est à voir, en tout Allez, cas. Plus, on il faut y les... avoir un écho. On nous ça. disait dans les commentaires avec Thomas, en ce moment, on est plus sur winning time avec les Lakers, là, où ça, c'est puissant. J'ai pas regardé. Ça te plairait beaucoup Ouais, écoute, je vais. Ça te plairait beaucoup. Ça te plairait beaucoup. Les gars me connaissent. Voilà pour la perf du week-end, les amis, tout de suite. et bien, c'est l'heure d'un moment que vous attendez toujours, c'est le mot de Tom. Il avait mal à la tête ce week-end et ça n'a rien à voir avec cette cuite au mauvais rosé de samedi soir, mais plutôt à cause de la politique. C'est l'heure du mot de Tom. Ouais, bon, le rosé pamplemousse à 3 euros et le bouchon qui se dévisse, euh, j'aurais dû le sentir quand même que ça ne sentait pas bon. Ouais, salut Manu, salut les gars. J'aime pas euh, la politique, ça me gave, hein, surtout en période d'élection, euh, parce que je dois me retrouver à, discu à discuter d'économie, d'immigration, de sécurité, face à des gars où j'ai déjà du mal à débattre de sport. Bon, par exemple, euh, ce week-end, je discutais avec un pote, il me lance, ouais, « Le prix de l'essence, c'est un scandale !» J'ai dis En effet, bon, l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché pétrolier a provoqué une inflation des prix hein, qui touche directement notre pouvoir d'achat. » Là, je crois que je l'ai perdu. Je dis « Oh ben, reste avec moi !»« Qu'est-ce que tu racontes c'est de la faute de l'immigration !» Je dis « Oula !» là de débat. On s'est vite remis à parler de football. Je lui ai quand même demandé, dans le doute, euh, s'il était de service, hein, parce qu'il est flic. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les flics ne sont pas des racistes. C'est comme partout, il y a des flics bien et des flics moins bien. Ils ne sont pas tous mauvais. Oh, j'ai gagné le trophée du au lit Oh Je l'attendais celui-là. Eh oui oh, t es... T es... Ayam dénonçait, Big Fleury énonce. Et c'est déjà pas mal. Non, je les aime bien. Bref, de quoi on parlait déjà De politique, mon cher Tom. Ah oui, bah oui parce que du coup, dimanche, évidemment, il hein, fallait qu'on aille voter. Donc moi, je me suis mis à lire un peu en urgence les programmes des candidats. Et c'était compliqué, hein, parce que moi, vous le savez, je suis chroniqueur sportif, hein, donc je sais à peine lire. Des trucs un peu longs, travaillés avec des mots compliqués, j'ai du mal. Hein. Déjà, quand j'arrive à finir un édito de Vincent Duluc, il y a un peu de fierté dans l'œil. <laughs> donc je me suis dit, au lieu de feuilleter des trucs que je ne comprends pas, je vais essayer de me faciliter la vie en mm -hmm. faisant des parallèles avec le foot.

euh, non, c'est aussi, euh, aussi haïr le PSG, hein, parce qu'à l'image de Jean-Michel Aulas, on trouve que c'est injuste cette différence d'argent, que les gros se gaffent trop sur les petits. Donc on a un peu de Jean-Luc Mélenchon en nous aussi. <laughs> Il y a de la droite également chez nous, parce que récemment, on nous a fait le culte, l'entraîneur le, étranger à l'OL, et on a vu ce que ça a donné, hein, quand je vois le passage de Silvino, le passage de Peter Bosch, Peter Bosch, <laughs> euh, ce match Mina face à Strasbourg, le néant tactique, hein. allez loin mes amis, l'époque où les Bosch faisaient peur en Alsace. <laughs> ah. Alors que quand tu regardes Bruno Genesio à Rennes Bah tu dis que les français Méritent peut-être Un peu plus de reconnaissance Qu'on pense à eux d'abord Plutôt que les étrangers Donc il y a un peu de Zemmour <laughs> que, Faut pas avoir peur de dire Vous voyez C'est complexe hein, Parce qu'être supporter de Lyon C'est un peu Tous les bords politiques Sauf peut-être celui de pécresse hein, Parce qu'il n'y a pas de dette ici Du coup bah, j'étais un peu tiraillé Et je me demandais Ce qu'allaient faire Les autres supporters Est-ce que les supporters parisiens Allaient voter du poignant hein, Parce qu'ils se disent Fuck l'Europe <laughs> Est-ce que les supporters est-ce que les supporters de Bordeaux allaient voter Nathalie Arthaud hein, Parce qu'il euh, y a défaut de gagner la lutte contre le maintien. Mais bah, ils croient encore à la lutte ouvrière. Tu vois. <laughs> Beaucoup de questions, mon Manu, mais elles ont toutes été répondues après les votes du premier tour. Alors, on aura donc un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, comme en 2017 <laughs> Difficile de faire son choix, j'imagine. Ah, voilà, clairement, euh, c'est deux styles de jeu qui s'affrontent. Hein. Moi, j'ai jamais été un grand fan hein, du, de celui proposé par Emmanuel Macron, c'est sûr, surtout avec les moyens qu'il a. On s'est mangé, je ne sais pas combien de crises en cinq ans. Bon, la France aujourd'hui, c'est Manchester United, en fait. <laughs> Mais après, nous, c'est pas mieux. Hein. Euh, Marine Le Pen, le projet, c'est la défense. Hein. On verrouille tout, on laisse passer personne. En fait, Marine, c'est Diego Simeone avec euh, moins d'exotisme. Hein. <laughs> pas le football que je préfère, je vous cache pas. En plus, c'est un duel qu'on avait déjà vu en 2017, donc relou. Hein, si j'avais envie de revoir un affrontement entre un homme de petite taille et une blonde qui semble avoir de l'affection seulement pour ses animaux de compagnie, bah, j'aurais relancé Game of Thrones, tu vois. <laughs> non, enfin bon, j'aime pas la politique, ça me gave. Hein. Moi, je m'intéresserai à la politique quand la politique s'intéressera à moi. Je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas, dans deux semaines, ce sera le grand résultat des élections. Hein, D'ici là, Lyon aura perdu deux fois. Et je pourrais enfin reparler de sport avec mes potes, hein, qu'on s'embrouille autour d'un truc qui nous rassemble, hein, plutôt qu'on se divise autour de la politique, qu'on a un peu de mal à comprendre. Bon, allez. Vive la République et vive la France. Merci Bravo. beaucoup, Tom, président, les amis. Vraiment, j'irai mettre euh, bah, ton bulletin dans l'urne euh, dans le <laughs> dossier. Voilà, tu m'as convaincu là, vraiment. Euh, tu avais absolument tout, euh, tous les arguments. Je vous demande bien évidemment pas de non. réagir oh, en oh, second ouais, tour. Ouais, et ben, puis Macron Le Pen. Alors, on fonce tout de suite <laughs> sur le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, motivé et on peut le dire inspiré par euh, eh bien, une très belle semaine de d'Atem Benarfa, la semaine dernière. Atem Benarfa qui s'est embrouillé dans le vestiaire, notamment avec un coéquipier, avec son coach. C'était lors bien sûr du match entre Lille et L'Orient. Euh, Atem Benarfa qui souhaitait que son équipe joue un petit peu plus haut. Ça a été très très mal pris, ça s'est très très mal fini. Et derrière, eh bien on a eu le droit à un règlement de compte médiatique avec la prise de parole bien sûr du président du LOSC avec la prise de parole de Jocelyn Gourvenec l'entraîneur des Lillois et puis derrière les réponses aussi également d'Atem Benarfa notamment sur sur Instagram pas besoin de vous redonner tous les détails je pense que tout le monde en a beaucoup beaucoup parlé vous avez cette affaire bien en tête ce débat enfin cette affaire nous a motivé en tout cas à se poser la question de savoir et euh, eh bien quel type de gâchis on peut dire est Atem Benarfa ne serait-ce pas le plus grand gâchis de l'histoire euh, du football mondial Allons-y, mettons les pieds, n'ayons pas peur enfin d'annoncer les, les choses. les choses. Athem Benarfa, on espérait avec sa venue du côté de Lille eh bien pourquoi pas d'arrondir une fin de carrière qui laisse forcément un goût amer pour tous les passionnés de foot que nous sommes. Les gars, déjà la première chose, petite réaction à cette affaire Benarfa parce qu'on n'a pas eu le temps de se croiser. Vous n'avez pas eu micro ouvert après, après cette histoire. Est-ce que vous êtes, êtes étonné J'ai un doute là-dessus. À vous de à vous de nous répondre. Moi j'ai été étonné. Reziers, ouais, moi, ouais. moi aussi j'ai étonné. Moi j'ai malgré, ouais. malgré tout été étonné. Je me dis comment ce mec-là. Et là en fait, euh, et là, en fait ben, finalement j'ai répondu à mes questions, mais comment ce mec-là, mec à son âge, peut encore en si peu de temps réussir à se mettre un club anti-ado C'est quand même. Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour Ben Arfa. Avant d'avoir de l'empathie, j'ai eu de l'admiration quand on le découvre à la Clairefontaine, quand on le voit arriver à Lyon. Moi, je me souviens la première fois il rentre à Nice hein, qu'on mmh. le lance et tout, je suis sûr Lyon c'est pas mon club. Je suis mmh. surexcité ouais. à l'idée de voir ce mec là sur un terrain. Je quand il part euh, quand il part après euh, il signe à Marseille, je suis surexcité quand il part. En... J'ai toujours cru en ce mec là très longtemps. J'en suis revenu, j'ai eu de l'empathie parce que j'ai eu la chance d'avoir de, de, des amis qui l'ont connu plus jeune et tout. Je connais un peu son histoire familiale qui est très compliquée. Donc, il y a une construction aussi autour de, autour de ce personnage-là qui est devenu un personnage public euh, autour de l'argent. C'est pas très simple la manière dont il a su et pas très saine la manière dont il s'est construit. Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec l'âge et cette énième chance de simplement jouer au foot, ben, je me rends compte qu'en fait, jouer au foot, c'est plus, c est, c est, en fait, ça fait, trop long, ça fait bien longtemps que c'est plus ton souci. Ton souci, c'est de foutre la merde partout où tu passes. Et il y a des gens comme ça qui préfèrent être dans le conflit plutôt que de jouer au foot. Et il a jamais réussi à sortir de ce, de ce, de ce côté incompris, mais au bout d'un moment, quand ça fait 15 ans que tu es incompris, bah peut-être que c'est toi l'unique et seul problème. Ce n'est pas lui l'homme des retours. On parlait à l'heure de Tiger Woods qui revient de problèmes de santé et nous étonne. Mais si, ben il revient toujours très bien. Voilà. Et puis, et puis, et puis de, de, de deux semaines, trois semaines, ben de exactement. Deux, trois mois plus tard, c'est terminé. Ce mec-là, il passe sa vie à être en conflit avec son coach. Conflit avec, avec ses coéquipiers, conflit avec son président, et il n'a plus le club, et il re signé en milieu de saison, ouais, et puis vrai. il est bon, et puis il y a des promesses. Dans combien de fois club il a de fait champion, là, pour le coup. Ouais, c'est clair, que, ouais, ouais, clair, c est c est clair mais combien de fois ouais. c'est arrivé Franchement, c'est arrivé au moins 5 ou 6 fois dans sa carrière. Ouais, clairement. Quand tu penses à Lyon, quand mmh. tu penses même à, ou à Marseille avec Deschamps, comment c'était dramatique Deschamps. Pourtant, c'est tout à fait le genre de profil oui, qu'il oui. adore où, mmh. où tu sais il va, il va un peu être son père de substitution mmh. et il va l'accompagner mmh. pour euh, voilà euh, qu'il puisse exprimer son talent et tout ça. Ben enfin fait, toute sa life il est, il est en train de se disputer. T'as raison, Erwan de parler du plaisir du foot. Je me pose même la question est-ce qu'il a vrai, ce qu'il a toujours qui fait jouer alors, au alors, foot? Alors il adore le foot. ça oui, oui, c'est un mais, truc de fou. Oui. Mais il adore il aime le, le foot. foot comme comme moi j'aime aller au restaurant. Non, non, non. En fait, il aime. Alors pour le coup, je te le dis parce que il a failli au moment où il est venu à Lille, il a il au Red Star. C'était le, c'est un des rêves <laughs> du prénom Non mais. C'est pour vous expliquer le. Là, il a roue libre pour y aller. Et, du coup. et sans abonnez-vous. Ah bah abonnez S'il veut venir faire, faire une tâte à l'émission, <laughs> il peut aussi. Hein. C'est sans doute d'ailleurs ce qui Grand va. Grand fan de, de la FIP, hein, tu sais. C'est euh, d'ailleurs. Mais c'est sans, sans doute ce qui va lui arriver dans les, dans les semaines. Je ne vois pas, en tout cas, le, le Red Star ne pas lui proposer quelque chose qui serait sans doute une erreur, mais bon, c'est pas grave. C'est Chacun fait ce qu'il veut. <laughs> en tout cas, il a eu une discussion avec le staff. Ils ont parlé football pendant une après-midi. Et je te dis, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui, justement, ont parlé football avec lui, qui me disaient, non seulement il a la passion du jeu en tant qu'acteur, mais il a la passion du jeu en tant que consommateur. C'est-à-dire c'est un mec qui a des avis sur le jeu, c'est un mec qui a des avis il sur le jeu. Il envoie son CV à Canal, plus à C'est aussi sans doute l'une des portes de sortie, à moins qu'on ne lui fasse pas confiance parce qu'il n'est peut-être pas assez lisse pour, pour ce genre d'exercice. Je ne sais pas, en tout cas. C'est pas chez Canal qu'il faut envoyer. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime le foot et c'est terrible ce qui lui arrive. Quelque part, je replace juste ça, les gars, promis je vous laisse la parole après. Quand il dit à Gourvennec, même si la forme est dégueulasse, même si la façon après de se comporter c'est n'importe quoi, quand il dit à Gourvenec, on va peut-être jouer un petit peu plus haut parce que c'est Lorient en face. Mais oui, mais. Le problème, c'est jamais le fond dans ces cas là Il y, y a plein de joueurs Ils qui Il y, 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 y a plein de joueurs qui sont ouais. en désaccord avec leur entraîneur. Il y a plein on de joueurs dire dire, de monde, ouais. qui disent Viens, on monte. Bien sûr. Mais ça ne finit pas sur, sur, ouais. ce, finit pas de... sur Instagram ah, comme, ouais. comme une dispute ça, ça, de sujet. comme sachant Sachant qu'il dit ça dans le fond, peut-être qu'il y avait d'autres mecs qui étaient d'accord avec. Mais sauf que son coach et une partie des joueurs ne voulaient plus jamais le revoir. Oui, c'est vrai. Donc à un moment donné, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la manière Le fond ne suffit pas. Oui, tu veux dire un truc Non, non, ça allait très bien. J'avais plein de trucs encore à dire, mais tu m'as coupé. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Non, vas non c'est bon, c'est moi. Bon, vas -y. Mais euh... <laughs> en plus, ça va être nul ce que je vais dire, du coup. <rire> <rire> non, non, mais, non, mais clairement, euh, Benarfa. Pourquoi on parle aujourd'hui de peut-être le plus gros yachis, c'est que Benarfa, un joueur avec, euh, qui n'a pas le talent de Benarfa, ça fait dix euh, ans qu'il est, qu est au Qatar ou qu'il est je mmh. sais, au Brésil ou euh, je sais pas où. Hein. Pas un bon exemple le Brésil même. Ouais, bon ouais, ouais, en, en Chine, en Chine. Chine ouais. en, Russie. en Russie, en Russie. Je voulais dire. Pas Russie. non plus, pas pas est bon, bon, bon exemple. En Russie. Bon. En, MLS, en MLS. Tu finis, tu finis en Russie euh, dixième. En MLS, c'est très bien. Allez. Mais tu finis un endroit. Euh, moi, avec tu un Il a rebondi à Nice. Il a rebondi au Paris Saint-Germain. Il a rebondi à Rennes à Bordeaux, à Lille, euh, en Espagne, il, il a toujours rebondi <laughs> parce que finalement le talent a toujours excusé ses écarts de comportement. Mmh. Moi, moi jusqu'à, ah. jusqu allez, il y a encore cinq ans, je me disais, Benarfa, c'est relou parce qu'il est mal entouré, je pense. Aujourd'hui, je pense que c'est lui, mais c'est lui tout seul qui se met dans la panache. Je pense qu'il n'y a plus autant cette excuse de, de l'entourage parce qu'il a 35 ans. Autant quand tu es jeune, que tu es vraiment talentueux, qu'on ah, te promet ça. le plus beau et que mmh. tu perds, tu n'as plus trop la tête sur les épaules. Là, tu dis, ok, l'entourage, pas ouf. 35 ans. Ouais, ah, c'est un cas particulier là-dessus. Vas-y, vas-y, Polo. Non, mais justement, c'est pour ça que moi j'ai du mal à avoir de, de l'empathie. C'est quand même quelqu'un qui, de par son, son talent et de par même un fantasme, il a eu des chances. Parce que dans tous les clubs où il est passé. Que moi. Hein. <laughs> Dans tous, les clubs où il est, dans tous les clubs où il est passé, euh, mine de rien, on a, voulu, on a tenté de lui faire confiance sur, comme je t'ai dit, un fantasme et un talent qu'on sait qui, qui est toujours existant, une magie balle au pied qui est, qui, qui est réelle. Et à chaque fois, il a gâché, il a gâché ses chances. Et c'est en ça que, je ne sais pas, on ne connaît peut-être pas toutes les raisons, etc. Moi, je, je me souviens très bien notamment de, ce, de son passage dans, dans mon club, le Paris saint -Germain. Oui, oui où là, pour le coup, on sait que c'est de sa faute, à lui et, et uniquement à lui, et euh, notamment de, 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 de son, son goût prononcé pour la vie nocturne parisienne et euh, tous les excès qui vont avec. Ça, ça, ça on le sait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il avait, il avait clubs, aussi appelé ça. directement le prince. Oui, fait. en aussi. fait, il avait mis la misère à Nasser al ralafi lors d'une visite du prince au Camp mmh. ou lors d'une tournée au Qatar, je crois, c'est une histoire comme ça. Et quand il jouait, il y avait des, il y avait des bribes de, de, de magie qui étaient mmh. toujours là, et je pense pour ça qu'il a réussi à avoir toujours des, des nouvelles chances. Mais voilà, pour finir, là où j'ai pas d'empathie pour lui, c'est qu'à chaque fois, il a tout gâché. Mmh. Il a toujours tout gâché, c'est vrai que le, le truc avec, avec Ben Arfa, c'est que c'est une forte tête, une grande gueule, tout ça, euh, on peut l'accepter. Moi, tu vois, je pense à d'autres grandes gueules du foot français. Ouais. Pensons à Nicolas Anelka. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a dit de lui Comme Grande exemple. gueule, mal entouré... Mmh instabilité chronique et ainsi de suite Anelka il fait une carrière mais 1500 fois supérieure à lui parce qu'à un moment donné il est rentré malgré sa grande gueule dans le moule du footballeur Exactement. à un moment donné tu, tu te plies à l'exigence d'un coach d'un club que ce soit en première ligue que ce soit en Turquie il y a plein d'endroits où il a laissé des super souvenirs Nicolas Anelka lui il a jamais ça parce que aussi fort soit-il, tu es obligé de rentrer dans le moule. Tu es obligé non. de rentrer dans bah, voilà, les, les relations avec chacun d'entre nous. Dans n'importe quel métier, tu peux pas être tout seul. Bah euh, ou alors, tu fais un truc où tu es tout seul. Ou, non, mais tu vois, tu es, es musicien. Du, et du encore, golf ça marche pas. Parce qu'il faut, faut, faut que tu chantes et qu'il y ait des gens autour de toi. Mais <laughs> du, non, mais pas du tout adapté aux exigences du très, très haut niveau. Et Dieu sait que par ses, par ses qualités, mmh. par son talent exceptionnel, il était appelé et amené à, à tutoyer ce très, très haut niveau. Mais à un moment donné, quand. Partout où tu passes, c'est toujours le même schéma. C'est embrouillé avec le coach, embrouillé avec le coach, embrouillé avec le coach. Laurent Blanc, notamment en équipe de France, cest dire qu'il y, ma... y a même pas eu l'institution équipe de France qui a, le, qui a pu le calmer. Et donc, et, et ça, moi, je trouve que c'est frustrant, certes, mais au bout d'un moment, je pense que finalement, avec le recul, parce qu'on a le droit maintenant de, de se prendre un vrai recul sur la carrière de Ben Arfa, de se dire que il n'est tout simplement pas fait pour faire une immense carrière. Et justement, ça, c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi. C'est est-ce que on va. Euh, comment dirais Est-ce qu'on va pointer du doigt Ben Arfa Alors, son entourage, on pourra en parler, on n'en parlera pas, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je pense qu'il est quand même pour, pour beaucoup. Et la manière avec laquelle il a été éduqué, je ne parle pas de ses parents, mais les gens qui l'ont accueilli à l'INF Clairefontaine, qui lui ont toujours répété que c'était le meilleur, qui ferait la différence, qui permettrait à la France de gagner une Coupe du Monde à lui tout seul, il l'avait très, très bien expliqué malgré lui dans une interview il y a quelques années à, à l'équipe. C'est le même truc pour Nietzsche, là, quand il, ouais. il visitait son apport <laughs> C'est ça, c'est n'importe quoi. <laughs> mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, quelque part, le, le joueur de foot, c'est. Si tu veux, la perception de Ben Arfa, je trouve que c'est une, 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 une perception du football arriéré. C'est-à-dire de penser que parce qu'il est technique, parce qu'il est incroyable ball au pied, il allait faire la plus grande des carrières. Prends par exemple, tu prends l'inverse, Mathieu qui est de la même génération que lui, on en, souv on en parlait souvent hors antenne lorsqu'on évoquait, la, 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 lorsqu'on était sur la classe foot, Mathieu dit, ball au pied, c'est un piètre joueur de foot, ball au pied. Je, je, je tiens à dire. Pour ce niveau-là. Pour ce niveau-là. Mais, <laughs> euh, oui, tu as raison de le préciser. Mais, Parce qu'il y a eu de, mais Mentalement et dans sa prise de fonction, justement, de footballeur, c'est un grand footballeur. Un footballeur qui n'a pas de mental ou un footballeur qui ne veut pas avoir l'exigence professionnelle ne peut pas être un grand footballeur. Donc, quelque part, c'est là qu'on parle de gâchis d'un point de vue talent technique, mais mentalement, il n'y a jamais mais été, mais il ne le sera jamais. Vous, on l'a tous vu, la Clairefontaine, vous vous en souvenez Oui, oui, oui. Est-ce que vous vous souvenez le départ de Ben Arfa quand il signe à Lyon ouais, la ouais. manière dont ça se fait ouais, il a adorable. 12 ans mmh, mmh. Il, il part comme un voyou mmh, avec ouais, son père ah, qui l'assume ouais. il part alors qu'on voit Fontaine, il y a le, le coach euh, le vieux coach pour oui, qui, euh, oui. qui on a une empathie mmh. qui, est, qui, qui est adorable qui, qui s'occupe de ces joueurs-là comme c'est si ils, mmh. ils, ils partent ils vont signer à Lyon mmh. comme des truands un prêt -contre un, contre un truc et ils disent mais comment faire ça il finit pas l'année il envoie à Lyon et déjà d'entrée on a les prémices euh, de ce que va être la euh, carrière de Ben Arfa c'est à dire des coups de Trafalgar garde et tout et là pour le coup on parlait d'entourage alors à 35 ans pour moi les tomber tomber dessus mais c'est pour ça qu'on peut avoir un peu d'empathie c'est que dès le début et ça va le massacrer longtemps dans sa, dans, dans sa construction on voit son père qui voit le pognon il enlève de Clairefontaine comme s'ils avaient kidnappé le petit alors que bon il est ça fait deux ans ou trois ans qu'il s'occupe de lui et il part que je, dis, je parle au purée, ils partent de, de Clairefontaine en leur faisant bras d'honneur comme des voyous. Pour 150 000 euros. Pour ah. 150 000 euros. Mmh. C'était ça, il y a un avion à fretter. Euh, ouais. Mais <laughs> tu fou. fais la comparaison avec Mathudi, tu peux faire la comparaison avec Benzema, ils sont exactement de la même génération. Ah. Euh, mais... Et, et c'était clair. Clairement ouais ouais non, mais Benzema c'est intéressant à, à l'OL mmh. au centre ah, oui. de formation ah, oui, oui. c'est lui le plus sous. talentueux ah, oui. j'en avais parlé avec Sidney Govou parce que je suis un peu intime avec lui <laughs> il m'avait dit qu'il avait jamais vu ça qu'il avait jamais vu ça que c'était euh, mmh. il avait même pas 20 ans c'était déjà le plus fort joueur mmh. techniquement de l'équipe alors qu'il avait des Govou, des Sonny Anderson des Karim Benzema il y un mec qui s'appelait Kevin Jackmo, que tout le monde a oublié ouais. qui était le crack avec Ben Arfa à l'époque et, et Ben Arfa était promis un grand avenir. Mmh. La grande différence avec Benzema, c'est qu'à un moment Benzema et Benzema n'était pas très bien entouré au début. Hein. Est Ce, pas... euh, ouais. Il est parti avec son meilleur pote vrai. agent. Euh, C'était mmh. pas avoué à, 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 à faire cette carrière au Real. Mais par contre, il se fait attraper par le Real. Et je suis curieux de voir. C'est un grand club, une grande institution mmh. comme le Real Madrid avait récupéré Benarfa, est-ce que ça aurait changé la carrière Ça aurait jamais marché. Moi en fait, moi à le recul je suis d'accord avec toi. Faut faut parler du, faut parler de l'entourage. Il y a un nom qu'il faut citer et je suis désolé, on va en parler, on le sait tous autour de ce plateau, il y a un monsieur qui le conseille qui s'appelle Michel Wazine qui est quelqu'un très important dans la vie même de de Hatem Benarfa, il faut voir les méthodes qui ont été employées. On lui a toujours dit que c'était le meilleur, on lui a toujours dit que c'était les autres qui se trompaient. C'était parfois même Michel Wazine qui écrivait certains articles qu'on a lu et on rigolait quand on ouvrait notamment France Football quand il y avait un dossier sur sur Hatem Benarfa parce qu'on savait très très bien que c'était pas le journaliste qui l'avait écrit. Bref, Bref, tout ça pour dire dire il s'est gâché, mais on l'a gâché aussi. Quoi. Et on arrive dans une période post-98 aussi, où on recherche le nouveau Zidane, où on a l'impression qu'on a le meilleur centre de formation au monde, etc. Et on ne s'est pas assez remis en question aussi. Tu as, as raison, et, et tu vois, par rapport à ce que tu dis, et l'institution à l'étranger. En général, quand les joueurs français partent... Il prend euh, du plomb dans la tête et ça se passe toujours mieux. Lui, il est parti à l'étranger. Ah ouais. Alors, il est parti à Newcastle, je ne suis pas en train de dire qu'il enfin, est, est dans les grands... Il, le il, tôt, il, il fait massacrer. Je, hein. je sais, je sais, mais il empêche qu'il n'y reste pas. C'est toujours pareil, c'est toujours la même mais histoire. Ouais. Il n'y reste pas et ainsi de suite. Normalement, quand tu pars à l'étranger, le fait... Regarde, euh, Ribéry... Il, y a, il se passe un truc, tu apprends ouais. une nouvelle culture, ah ouais. une nouvelle langue, tu vois, d'autres gens, une autre méthode de travail, et tu sens tout de suite qu'il y a une évolution. Alors, oui, ils se pètent le genou, mais il y en a plein qui se sont pété le genou et qui ont réussi à revenir ouais. et pas faire 19 comebacks. Finalement, ils rentrent en France, et en France, bah, voilà, c'est la décrépitude. Voilà, donc... Euh J'aurais aimé le voir dans une grande institution après Lyon, ne jamais aller à Marseille. Peut-être que oui. partir tôt euh, comme vrai. ça avec beaucoup d'espoir, ça aurait pu être mieux pour lui. Mais bon, à Marseille, il y avait quand même des chants, donc euh, mmh. il aurait c'était le mec parfait pour, pour, le, pour mmh. le faire progresser. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit un message intéressant. Je trouve que c'est peut-être que Ben Arfa est lui content de sa carrière. Je suis très curieux de lui poser ah la ah question. Je suis euh, très, très, très curieux question. de lui dire quel, quel regard Sympa. tu portes sur ta carrière et comment t'expliques. Euh, comment tu expliques ta carrière, mm -hmm. ce, ce fait de, 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 où tu t'es installé nulle part Je serais très curieux ah oui. de oui. voir, parce qu'on a vu Anelka avec son reportage sur Netflix, oui. euh, ah oui. moi j que moi, moi j'ai regardé avec beaucoup d'attention, parce que Nico Anelka, c'est un joueur que j'adorais, mais qui, pareil, à un moment donné, j'étais toujours dans les polémiques, j'étais un ah. peu déçu. C'est un mec, Anelka, qui aujourd'hui a 40 ans passé, et le message qu'il fait passer dans son documentaire, c'est... C'est pas moi, c'est les autres. Ouais. Voilà. C'est le aujourd ah ouais. ce Aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Moi, c'est ah ouais. pas de ma faute. On, on, on me comprenait pas. Il dit plein de choses intéressantes. Hein. Il dit Moi, à l'époque, quand je voulais bosser avec mon frère en tant qu'agent, on me faisait passer pour un voyou. Mais c'est vrai que du coup, ben, il prenait le, le beurre de, de, de certains mecs installés ouais, des champ... clubs, notamment. Ça, je l'entends. Sachant que tout le monde fait ça voilà. maintenant. Et sachant que ouais. maintenant tout le monde fait ça, ça et que ça passe crème. Bah il oui. y a des trucs <laughs> sur lesquels je peux l'entendre et le comprendre. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je vois qu'il y a zéro remise en question. Donc. Quelle position aurait Ben Arfa par rapport à ça Ça tombe bien, en six mois, c'en est le fixe à son documentaire. <laughs> C'est possible. <laughs> pour le coup, intéressant. Tu parlais des grands rebelles, Tom. Moi, je fais souvent le parallèle aussi. Tu vois, on parle des grands rebelles, des mecs qui étaient un petit peu à part. Euh... Qui ont parfois une communication un peu compliquée. Il faut Donc, te faire, gagner, faut te faire de... gagner, Manu. Mais oui, non, mais attends, mais justement, il y a un cas, moi, je trouve excellent, c'est Cantona. Si tu fais une comparaison oui, oui. avec Cantona, par exemple, alors, on, on, je ne vais même pas vous rappeler le passage de Cantona à Manchester United, juste se rappeler que des mecs comme Giggs, des mecs comme Beckham, des mecs comme Neville, qui étaient les petits jeunes dans le vestiaire, se revendiquent tous de Eric The King et de ce mec qui les a accompagnés, qui les a cadrés, etc. C'est impossible avec Ben Arfa, par exemple. Mais non, il faut être un leader aussi. Oui, complètement. Charismatique. Cantona, en France, mmh. il était incompris. Mmh. Il s'est barré en Angleterre. Mmh. Et on a, OK, en France, on ne comprenait pas, par contre, en Angleterre, tu as créé une légende, une véritable légende. Mmh. Et on voit qu'il a inspiré, tu viens, tu viens de les citer. Et puis à un moment donné, quand on a, pendant des années, c'était le, le porte-parole de Manchester United qui se construisait pour créer une, une double dynastie carrément, et qui a emmené un groupe avec lui aussi. Benarfa, mmh. à quel moment on l'imagine emmener un ah groupe non. avec lui à part pour la ouais. soirée. <laughs> mais mais, mais Benarfa, quand tu penses aux images de sa carrière, c'est quoi C'est juste des, des, des raids solo euh, uh, ou le terrain. Et, 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 et on voyait déjà les prémices à Lyon, à Marseille. Moi, je me souviens de l'interview avec le gars du oh, ML oui. Comedy Club, là, où, oui, vous voyez, où il dit, mais tu fais pas de passe et lui il fait mais arrête euh, après ils vont croire un gros comme toi là. C'est <laughs> très drôle. Hein. <laughs> très mais déjà à l'époque on lui reproche de mm. pas faire des passes. Moi là j'ai pas en tête euh, des, des mm. souvenirs où il, il, il combine ou où... c'est pas un joueur d'équipe en fait mm. tout simplement. C'est un joueur de five. Un très très grand joueur. De five. De five. Non mais tu il avait dit quand il était à Hull City il y a cette fameuse interview donc je vous parlais tout à l'heure là qui avait été faite sur l'équipe où il disait il dit presque naïvement parce qu'il se rend pas compte je pense de ce qu'il dit il dit mais moi, en fait, jusqu'à et il a peut-être déjà 30 ans à ce moment-là, il dit :« Mais jusqu'à il y a six mois, je pensais que je pourrais faire la différence tout seul. que je rentre dans le match, je prends le ballon et je fais la différence tout seul. C'est moi qui fais gagner mon équipe. » Il a bon. toujours pensé ouais. ça. Et tu, tu ah, le penses pense. aussi parce qu'on te le dit, parce qu'on t'éduque, parce qu'on mmh. te façonne aussi là-dedans. Et quand tu vois l'évolution Ben Arfa, Benzema, quand tu vois ce que fait Benzema dans le leadership, bien sûr, euh, sur, sur les derniers mois, je, je prends juste le, ouais, le ouais. des derniers mois que le Real. On est quand même... Benzema, va faire des pressings alors que tu euh, as deux buts à remonter mmh. contre Paris, il va faire des pressings, peut-être la première, mont... faire monter tout un bloc, montrer l'exemple. Là, tu es un mec, et, un... et à côté, as... tu vois ce que je veux dire j'ai jamais vu Benzema faire alors, ça. Ouais, ouais, complètement Les gars, juste pour remettre un petit peu, parce qu'il y a une question bien putassière à laquelle j'ai envie qu'on réponde <laughs> fortement, je veux votre avis là-dessus, est-ce que c'est le plus grand gâchis <laughs> du football mondial, c'est peur des le Football français déjà, en tout cas, moi j'ai presque envie de dire oui. Bah oui et oui et non. Français, oui. Alors oui. football français, tiens, regarde, il y a deux cas qui sont intéressants. Commençons par ça, tiens, on va monter en strat si vous voulez. Il y a deux cas intéressants. Est-ce que c'est un plus gros gâchis que... Que Gourcuff, est-ce que c'est un plus gros gâchis que Diaby On rappelle que là, on est vraiment sur des causes qui sont aussi différentes. Des Diaby, c'est la blessure, on peut peut-être le mec de bon, côté. Oui, il y a des je mecs, mecs blessés. Des moi, moi, vraiment, moi, les mecs blessés, tu peux pas vouloir. Ad... Mm. Même si c'est archi frustrant, c'est dur de reprocher à des mecs de se blesser. Non, as Après, raison. je pense qu'il y a aussi un aspect mental dans la blessure. Gourcuff, surtout. Hein. Yeah. Il y a Pour des Gourcuf, mecs au bout ouais, moment, ouais. Y a, mm. Donc, ça, euh, des fois, la, la, la peur de répondre aux attentes, mm. d'avoir trop d'attentes, peut provoquer des blessures. Mais c'est des mecs blessés. Mm. Ben Arfa, il a été blessé, mais Ben Arfa, surtout. Automarbré tout seul, mmh. il s'est blessé mmh. mais il est revenu C'est en fait, la peu différence que je ferai Avec, euh, avec les avec Gabi autres, c'est ouais. mmh. On l'a jamais revu, euh, même à, à Lyon mmh. euh, Vous qui espérez euh, tant <laughs> Le voir au niveau de Bordeaux, on l'a jamais revu à ce niveau-là Diaby c'est pareil Ben fois j'ai la sensation que physiquement au moins Il est revenu à 100% bah, enfin, vous vous Oui, à 100% oui Mais bon, on était loin de ce qu'il faisait avant Même si il fait une bonne saison Il fait une bonne saison C'est quoi ce qu'il faisait avant bah écoute, moi je le trouvais beaucoup moins facile dans l'élimination, euh, même, même à Nice, ou pour le coup, là, on parlait de l'aile tout à l'heure. et euh, la sa meilleure saison deux, à Nice. Hein. Qui, qui fait pour moi peut-être la meilleure saison sa sa, sa 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 nice, de sa carrière. À Nice, il casse des reins, va demander au Stéphanois. Euh, il casse des reins, non, mais après... Vous euh, moins moins en moi, moi, que Marseille Moi je trouvais, ou 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 à... oui, largement. Ah ouais Largement. largement, ah, es sévère. largement. Oh, es sévère. Avec 10 ans de plus. Et surtout là, et même au-delà de ça, là là je vois une faillite mentale chez Ben Arfa, qui la suit tout au long de sa carrière, alors que Gourcuff, on peut en discuter, mais pour le coup à Dhabi, si c'est vraiment les trois trois non ressort, c'est quand même non Dhabi, euh, je pense qu'on met de côté des choses très, très différentes et, et un Gourcuff il a morflé vraiment tout au long de sa carrière. la grande différence c'est que j'ai l'impression que Bernard Fa a eu les chances a eu des chances de montrer mm. beaucoup de chances de montrer ce qu'il était capable alors que Gourcuff à chaque fois disait « ah oh, non ah non et en fait euh, en fait ça durait ça durait deux saisons quoi ça a duré mm. à, à Bordeaux après il arrive à, à Lyon Pareil, comme Ben Arfa, à chaque fois il revient, on se dit Waouh, il est incroyable Je me souviens, à chaque fois il marquait à chaque quand fois, il, il faisait une passe des. Bah il, il, il justifie son salaire, tout ouais. ça. <laughs> un match après il se blessait. Donc, c'est dur de, de les comparer. Et pour ouais. moi, Ben Arfa est plus un, un gâchis parce qu'il s'est gâché tout seul. L'autre, il, il. Tu vraiment, sais, vrai, moi, pour moi, c'est comparable parce que les deux n'étaient pas faits pour la pratique du football à très, 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 très haut niveau. Pour des raisons différentes. différentes. Mais pour des raisons mentales. Tu vois, regarde, euh, Maldini avait dit, quand Gourcuff ouais. Gourcuf était au Milan, Maldini avait dit, ce mec-là n'a pas le mental pour faire une, une immense carrière, voilà, tu vois. Donc, Visionnaire, hein Ouais, ouais, apparemment, il fallait l'écouter. Euh, voilà. et, et la différence, peut-être que Gourcuff, je trouve, à, à mon, le prime, entre guillemets, de Gourcuff, moi, je le trouve absolument incroyable. Alors, ça dure six mois, un, un non, an. non non un ouais, l'année voilà. 2009. Exactement, l'année civile 2009. Mais je trouve qu'il a, après, ça peut faire réagir, mais je trouve qu'il a montré plus de choses que, que Ben Arfa. Si on, si on élargit... Non, mais il emmène une équipe. Oui, oui. Il oui. une équipe où ouais, est leader, ouais. il gagne un titre. Bah, il a son équipe en quart de finale de Ligue des Champions. Bordeaux, c'est pas rien. Il est leader d'une équipe. Mm. Narfa, c'est un soliste. Il le dit. Exactement. Comme demi, 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 demi. Ah, Ils il il perdent euh, contre. Une... 4... Ah, non, c'est ah, ah, oui, oui. Il a le jamais, le jamais le été le meilleur. leader d'une équipe. Mm. <laughs> C'était, vas-y, rentre, mm. décante quelque chose. Mais il a jamais, ça a jamais été un leader. Il a jamais été capitaine de quoi que ce soit. Dans le chat, on nous disait, parmi les exemples internationaux, il y a le York Nature qui nous parle Alexandre Pateau. On nous parle de Robinho aussi, qui a fini par la casse-prison. Chose qu'on ne souhaite bien évidemment pas à Ben Arfa il n'est pas parti pour. Hein. Pato, moi, il me régale les blessures. Ouais. Oui, oui, Pato, oui, Prité, oui, oui. il ne peut pas jouer, quoi. Peut pas tout pas tout jouer mais Pato, ouais. j'ai vu, vu des trucs ouais. de lui quand euh, même, ans, dans non. des matchs de Ligue des Champions, mmh. dans des trucs ouais. auxquels Ben Arfa n'a jamais été invité. En tout cas, il mmh. n'a <laughs> si <laughs> jamais joué de, de quart de finale, de demi-finale de Ligue des Champions. Pato, je l'ai vu faire des trucs, après les blessures l'ont massacré. Et Robinho, oui, ça peut. Robinho, je pense qu'on est dans une énorme surcote qui finalement est la réalité à la rattraper. Il y a, Bignot, exemples. Il y a... est exemples. C'est dur. Hein. On reste sur, on reste bah, sur Robinho. Vas-y, ouais. vas-y, Paulo. Bah, sur Robinho, Robinho, il gagne des titres au Real dans un Real quand même qui n'est pas simple, post-Galactique. Il gagne des titres aussi au Milan. Euh, il, porte, il porte le Brésil, certes, jamais en Coupe du Monde, mais il la porte en 2007 sur la, la Copa América okay. où il est mmh. le meilleur joueur de, de la compétition. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'Adriano ou de Neymar. C'est des, des joueurs qu'on pourrait, pourquoi pas, mettre dans, dans des potentiels gâchis euh, par rapport aux talents au talent qu'ils ont mais c'est des gens qu'on prouvait c'est des gens qu'on prouvait ouais. au plus haut niveau mondial et européen Donc démarre, par... on va par attendre à... la fin de sa carrière démarre, on ne on de... peut pas dire que c'est un gâchis de toute manière il a, il il a, a gagné la CRL et il est non, sur le podium oui, par rapport à Ben Arfa ah oui mais d'accord par rapport à Ben Arfa Ben Arfa n'a rien gagné il a gagné des titres par-ci là il a gagné à Lyon il a gagné à Marseille il a gagné ligue de champion de France certains à Lyon certains PSG à Marseille euh, mais là on parle, on parle de mecs qui ont brillé dans, de, dans les mmh. plus grands clubs euh, européens de leur, euh, de leur époque contemporaine tu vois le gros problème euh, de Robinho c'est Adriano, Robinho, ouais, Neymar euh, Là, quand même euh, moi aussi j'ai du mal à Gourcuff, les mettre dans le même truc bourg puif c'est quand même euh, alors je vous fais une autre proposition parce que ça vient sur le chat Pastore, Quaresma, Balotelli mais même Pastore, moi je le mets. Pastore mal, Les Madotter, ils sont dans les meilleurs clubs européens à un moment donné et ils jouent. Pastore m'a pas. Enfin, je te dis pas que c'est. Oui, mais c'est ouais, pas ouais. le plus grand, c'est histoire. Pastore, il est dans les meilleurs clubs européens. Et le PSG, <laughs> il est encore dans la finale des champions, je sais pas. Les mecs, on relance donc, euh... un vieux débat là. Non, mais là ça ça <laughs> manquait pas d'ailleurs. La question c'est. <laughs> a... Le plus grand club européen. A... Même, même, même avec le recul, on me dit encore que Pastore, il joue dans les plus grands clubs européens. Le PSG, c'est pas un top 8. Bah non. Ah d'accord. Ah, d'accord, bon, très bien. Alors, première nouvelle. <laughs> première nouvelle, très bien. Pour moi, parce que rire, on peut pas le mettre dans... On peut être déçu de plein de choses et tout, je le mets pas du tout dans la même strat que. que non, mais je suis d'accord. Il y a un an que tu as dit, balotelli, là pour le coup, on est sur ah, vrai gâchis. Ouais. Là pour moi, on est sur un vrai gâchis aussi. On est dit, on tu vois, c'est ça qui est terrible. En fait, non, mais les mecs prennent des tiges. On, on, on a le droit d'avoir des lectures, surtout nous, avec l'émission et le poste, la chance qu'on a d'avoir d'être ici, on a le droit d'avoir des lectures un peu plus profondes qu'une page Wikipédia. Et je pense que. J'entends, mais tu vois, par exemple, tu parlais de Ben Arfa, balotelli. Le, pre, le premier titre de City, il lui doit, enfin, pas il lui doit, parce que c'est mm. un peu dur, mais il est là, il est sur le terrain. C'est un, un mec qui incarne le premier titre de City. Donc, mm. c'est un énorme gâchis au vu de ce qui s'est passé Ça aurait dû être lui le nouveau mm. numéro 9 incroyable. Oui, Ça aurait oui, dû être sûr, lui. Sûr. Lui non plus n'avait pas ce qu'il mm. fallait euh, en haut. Oui, là, donc, là, ouais. Clairement, il n'y a mm. aucun doute. Mais putain, les mecs sont dans les grands clubs, ils gagnent mm. des titres. Oui, chose que tu vois, putain, mais moi je mettrais juste Balotelli peut-être le plus grand talent gâché de l'histoire parce que ce qu'on voit à l'Euro 2012. Ouais, euh, c'est un niveau où je me dis que ça va devenir le, le plus grand attaquant euh, de, actuel Mais à de, à côté de, de ça, la période. L'Italie 2008, il le fait ce truc. Mmh, ça, ça, ce que tu 2008. Il y a l'Italie 2008. l'Italie 2008. aussi, la grande époque avec Zlatan. Mais bien sûr, il est là. Quaresma, je trouve je trouve c'est intéressant par contre. La comparaison avec Quaresma, elle est intéressante. Ah oui parce que il part en même il part en même temps du, du Sporting que, que Cristiano Ronaldo Ronaldo part à United lui il lui part à Barcelone et sur le papier tu dis qu'ils ont le même talent il y en a même qui penchent bien plus oui. vers, vers, vers Charisma. le problème c'est que il y en a un qui devient Cristiano Ronaldo et l'autre qui à part à Bordeaux a, a fait trois Super. extérieurs dans sa vie alors c'est <laughs> un bon joueur c'est bon peu trop sévère ça, ça reste un international portugais qui, qui s'est installé dans la sélection mmh. ça un mec Euro. ça reste un mec finalement où on a été déçu parce que les attentes étaient énormes et c'est un mec qui a réussi quand même à s'installer dans des équipes à... on attendait toujours plus de lui on a été forcément un peu déçus mais c'est quand même un mec qui fait une carrière très honnête mmh. moi, je et tu vois je ce que je veux dire je te coupe mais euh, tu vois moi je pense que grassement on lui demande à la fin de sa carrière s'il est heureux de la carrière qu'il a faite quand on voit sa carrière internationale quand on voit même sa carrière en club après ce, ce côté euh, buzz, nouveau, nouveau CR7, etc., je pense qu'il peut être fier de lui. Là où un, un, un Ben Arfa, même si peut-être il a une autre vision, et bah pour le coup, euh, si tu demandes à 100 personnes ce qu'ils pensent de la Carabine tu en as 99 qui te diront que, que c'est un talent ah, gâché. Que ce soit en Turquie, à Château. Ma, euh, son talent, j'ai n'ai pas l'impression qu'il l'ait gâché, étant donné le, le palmarès. Ouais, tu vas une Ligue des Champions en euros. Donc, euh, et Laurent euh, Bonard, Laurent Bonard l'avait mis dans sa poche un soir, ouais. de des... <laughs> un soir de ligue des champions. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça compte dans une carrière. <laughs> aussi. Ça, compte, ça compte dans ça compte une carrière. On, on, dans le chat, il y a deux noms qui viennent de revenir. Theo Walcott. Ah, ouais. Alors là, c'est les blessures aussi. Ouais. Les blessures, clairement. Voilà. Voilà. Contre... surcote du coup. Theo ouais. surcote. Bravo. <laughs> et alors, j'ai vu un nom passer. J'ai pu penser Denilson, les gars. Ça, c'est une bonne idée. Ça, ah c'est la hype 99 transfert le plus cher de l'histoire du foot. Exactement. Très vite, on est très vite retombé sur nos. oui. Tu vois, il y a eu cette hype 98. Et, et là, très vite mmh. on retombe quoi avec le betis Séville il fini à Bordeaux après quand il arrive à Bordeaux, oui, vrai, à Bordeaux oui, a fini cool. le week-end ah, et là ouais. on comprend, on comprend que oui bon voilà c'est un tricoteur à Bordeaux c'était voilà, voilà. Bah, voilà en tout cas pour la liste on pourra en citer euh, bien sûr vous euh, s'appelait l'Italien en... de United là qui qui met deux buts de la tête et on dit oh, incroyable? Ouais. Makeda, hein, Makeda Makeda ouais, ah Makeda oui, Maqueda avec cas. la crête aussi à mmh. la Ronaldo. Bah, c'est encore c est c est des mecs, je sais même pas ce que ça vaut, ça, tu vois. Pas. Owen qui prend un ballon d'or et qui disparaît, aussi euh, blessé. Ouais, mais il a marqué. Ouais, il a marqué. T'étais là aussi. T'as des souvenirs un de ce C'est le putain en 98 contre l'Argentine. Mais bien ouais, sûr. Mais c'est des mecs, ils ont tous montré plus que Ben Arvois. C'est des décisions qu'ils ont. Non, mais la différence entre. Je veux dire le gâchis et il aurait pu avoir une énorme C'est pas du gâchis, je trouve, c'est juste des mecs qui n'ont pas réussi à avoir une seconde partie de carrière. Mmh. Tu vois, au bout d'un mmh, mois, à 25 ans, ils sont tous pétés, ils peuvent pas. Mais c'est ça aussi le haut niveau. Et c'est pour ça qu'on doit apprécier ce que fait LeBron James. <laughs> ah, le James. C'est important de le, le préciser le dire, ouais, Pour les Boyan Krikrik, parce que j'en vois aussi également ah, dans le chat. Dire, hein. Boyan Krikrik et Kerskitch, Kerskitch, aussi également Kerskitch, Kerskitch. Kerskitch. Euh, Kerskitch oh, moi, là, Krikrik <laughs> de toute façon moi <laughs> je grandis, je Roland, les gars. Donc j'ai pas les bonnes références. Tu de <laughs> une roue. Euh... <laughs> Elle est très très bonne. Goethe, ça marche pas parce qu'il est malheureusement il est tombé malade. Boyan surcote et en plus il marque en finale de Coupe du Monde. Ça marche absolument pas. Euh, Boyan, on disait que c'est <laughs> peut-être une surcote de base aussi parce que voilà, euh, on l'a présenté comme un grand oui, Messi. Il fait une ouais. carrière. Ouais, euh, ouais, euh, un ouais voilà, bon, je, euh, donc, Et y mais y mais eu il y avait Freddy Hadou plus aussi. Plus après Freddy c'était le. Mais c'est comme Boyan le... pour moi. Il y a 14 ans, pareil. Le mec, le mec, après, il arrive en France, on a vu. Quoi. Il était tout simplement pas fait pour ça. Exactement. Non, mais, mais c'était juste des mecs qui sont formés vachement tôt, qui sont archi-précoces. Hmm. Mais précoces, ne veut pas dire finalement très fort. Et c'est oui, un oui, oui, oui. Freddy Hadou, quand on peut les dire, c'est le nouveau Pelé, gros. En MLS en plus. Ah en mais mais, là, bon, est pas bah, MLS de l'époque. Hein. Ouais, 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 MLS de ouais, l'époque. Ouais, ouais, qui ouais. ouais. qui est un peu. Qui correspond à la DSR, l'Aura-Atlantique. Par contre, ma génération, on a vu passer quelques noms, c'est la génération YouTube. C'est-à-dire, c'est Mastour, c'est El ah oui, c'est bon, Neymar qui lui a percé pour le coup, mais c'est que des gars où tu, tu les voyais faire des gris-gris, parce que ça y est, euh, t'avais l'accès aux vidéos comme ça très vite, et tu disais ok. Mmh. Lui, lui, il va percer. Bon, Mastour il joue en série B en Italie. El Sharaoui, il est à la Roma, non il, il est, il ouais, 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 pas, ouais. Il est à la Roma. Mmh. Oh, il, il joue, il joue la encore. Bah, de, avec Neymar, il y avait Ganzo. qui devait oui. oui on parlait tout passé. le temps ouais, de lui au PSG, là. Ganzo ou Neymar Il était blessé, Il est parti ouais, en, ouais. en, en de Liga. Ouais. Il était blessé. Et même Lucas Moura on peut dire, a fait une meilleure carrière que Ben Arfa On sera tous d'accord avec ça. Bah oui, clairement. clairement Mais moi, je l'ai vu mettre à la superbe. Envoyer son équipe en finale de champion. Je ne sais pas comment il a fait. Même en coup de la Ligue, il a pas en finale de la Coupe de la Ligue. Qui, moi, je, et Exactement. je suis persuadé que Ben Arfa, dans les, dans, dans les pieds, il a, il a trois, ah oui, je pense, trois Lucas hein, Moura. Mais ouais, mais au je bout d'un moment, il y a, il y a, il y a ce qu'on réalise sur la pelouse aussi, ce qu'on fait. Exactement. Voilà. En tout cas, pour ce débat, c'était très agréable de, de parler de souvenirs comme ça, les amis, et de parler de, de joueurs qui malheureusement sont passés à côté de leur carrière. Athènes Ben Arfa est bienvenu s'il veut, bien évidemment. L'Olympique Lyonnais. Eh bien, euh, venir dans, <laughs> nous, faire, faire le bilan ah de leur carrière. Quel avenir, c'est ça ah mais Oui. oui Quel avenir ah, S'il veut faire le bilan, s'il vient jouer au Red Star, c'est pas très loin. Le ballon à lui qui tout. Mais tu sais qu'il a beaucoup de propositions. Exotique, il a jamais dit oui pour le, pour le moment. Et il est parti à Lille pour la Ligue des Champions. Exactement, ça peut, ça peut aider. C'est ballot. Il nous reste 14 minutes et 31 secondes. Lançons tout de suite le quiz. <laughs> J'ai profité de votre départ aux États-Unis, les gars, pour euh, broche. Voilà. Dépoussiérer un petit peu tout ça et mettre quelques petites <laughs> nouveautés en s'inspirant bien sûr de ce qui a fait les belles recettes de House of Sport, notamment bien sûr avec mes prédécesseurs. On commence avec quelque chose que vous connaissez c'est le qui a dit ça, une phrase qui m'a interloqué. Oui, je suis d'accord avec cette personne, mais ça m'a étonné que ce soit cette personne-là qui le dise. Regardez plutôt Liverpool, c'est vraiment un bonheur et un régal à regarder jouer. Qui a bien pu dire ça Liverpool, c'est un Non. Non. Guardiola ouais Pep Guardiola qui a dit ça à la fin du match bravo ouais, il, joueur, peut, la il classe. a raison il a raison ça revient sur ce que tu disais sur la classe il était la pierre <laughs> hein. il il a les fait pas ça. son meilleur match de la saison ils hein. étaient, il saison, ils hein. étaient ouais. mignons tous les deux en conférence de presse d'avant ouais. match là. Ouais. je t'aime il est le meilleur il y a une histoire une anecdote qui a été racontée dans l'équipe ce week-end c'est la prochaine chose à trouver l'idée n'est pas de trouver qui a raconté cette histoire parce que la personne qui a raconté cette histoire c'est Mauro Tcheto je ne sais pas si vous vous rappelez à ce -là. Euh, il raconte une histoire, une anecdote de vestiaire qui se passe à Toulouse. Il faut retrouver le joueur qui est concerné. Le joueur, oui, c'est monsieur Triple X que vous avez découvrir dans ce texte que je vais vous lire. À Toulouse, mm -hmm, était capable de tout. Il est complètement fou ce gars. Tous les jours, il inventait un truc. À Noël, on avait l'habitude de se faire des cadeaux. Chacun avait un coéquipier attribué par tirage au sort. Mm -hmm, a tiré Bergouniou et le jour où on devait s'offrir les cadeaux il est arrivé avec une cage recouverte d'un drap il l'a mise au milieu des autres cadeaux et lorsque Brian a soulevé le drap il y avait un petit cochon à l'intérieur Brian a dit à mm -hmm, je fais quoi maintenant avec ce cochon ce à quoi mm -hmm, a répondu je ne sais pas c'est ton cadeau Brian a dû repartir chez lui avec je ne sais pas ce qu'il en a fait Désiré Job Et pas Joseph Désiré Job Elmander Et pas Elmander c'est peut-être juste avant je sais pas si c'est Gignac. Gignac, tout à fait. C'est Gignac, <laughs> ouais. Gignac, il régale Fantastique. quand même, André Pierre. Il régale, il régale <laughs> Bravo Pierre Bravo, André Pierre. Dans le cadeau, tu imagines, on t'offre un cochon. Ouais. Euh, ah non, un bien incapable. <laughs> ouais, ouais. Oh, bon, relou, je pense que hein. tu vas à l'SPA juste après ou à l'abattoir oh ouais, ouais. ouais. Non, ouais. Ça va pas la tête. Ouais. Un cochon ouais. qui peut être mature, tu vois. Enfin, oh. Allez, c'est la loi de la nature. J'ai ressorti un, un truc que euh, euh, Yannou aimait beaucoup nous faire, vous faire aussi également à l'époque, c'est les fameuses pochettes de jeux, tu sais. Euh, ah oui, pochettes ah. de jeux vidéo. Très bien, ça. ça fait euh, très très années. Voilà. Il, faut, il faut retrouver, le, football. Il faut retrouver eh bien, le, le sportif qui se cache sur cette pochette. Regardez plutôt celle-ci. Ah, Marco Reus, ouais, tout ouais, à fait. Royce, ouais. Ça fait oh, un bien pour bien. vous, mon ami. Euh, le suivant est beaucoup plus dur. Euh, Léo euh... hey, pas peu... ma Mac C'est oh, Titou la maison. C'est pas Titou la maison. C'est la génération Michalac. C'est euh, je veux dire Grenier. Non, Vincent Clair, Yannick Josu. C'est pas, pas Yannick. Non c'est lui Magne. Mia, magne. Non, non, non c'est en arrière. Clément Potrieu ah, il, il est là. Bien joué, bien joué, Clément Potrieu il est là. Oh la vache. Ouais, ah oui, c'était euh... Ça j'ai beaucoup joué à ce jeu là, là. Moi aussi ah, ouais. et c'est un des premiers ah, jeux ah, de rugby Qui était sorti C'est Ah c'est spécial, fallait mettre du temps à comprendre. Faut faire que des passes et des passes sautées c'est exactement. Tu t'allais à l'aile et normalement tu finissais le travail. la balle à l'aile, la vieille belle. La belle exactement, Pierre Salviac exact. Allez voir d'ailleurs l'excellent quiz. Je vous le recommande. <laughs> euh, le suivant, il est, il est très difficile. Parce que c'est la F1 des années 2000. Je vous Choumi. donne un indice c'est pas Schumi c'est un ancien pilote Williams. Ah, Ralph. Coulthard. C'est pas Coulthard. Ah c'est pas Ralph Schumacher, mais tu brûles. Montoya Brûle. Montoya. Ah, tout bravo, à fait. Juan Pablo. Juan Pablo Montoya. Ah ouais. Exactement. F1 Challenge 97 ça, 2002. ne pas la tête. Hein, C'était ouais, un, un des incroyables jeux parce que tu avais un mode carrière incroyable. Tu commençais par ah ouais F3000 et tout. Sur 3 ans donc. Avant-gardiste. Ouais. Euh, le suivant, ça va aller très vite. Enfin, ça, pour vous. Si Francis, Francis. 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 Ouais, Francis. Ouais, tout à fait. C'est à gauche que c'est arrivé en, en premier. On parle beaucoup Ça fait aussi, une spéciale e apparemment. Oui, mmh. ouais, ouais. <laughs> je... oui c'est vrai, t'as raison. J'avais même pas pensé. Mais, mais vous cool. allez mais voir, après, hein. ils ont fait beaucoup de jeux. Ah, ah, bah bah bah, non, mais t'as bien fait. On, hein, on pas va, va se rattraper. C'était bien, bien. Là. Regardez est ce panel. C'est un jeu de tennis. C'est bien vu, bien vu, C'est un jeu de tennis. De, de, de. de... Oula. Marie, ah, Marie tire une dinguerie. Ah, vous reconnaissez Agassi, vous reconnaissez Céleste, Sampras, Davenport, Ingi, Ingi sont la voie. Il y a, voilà. C'est pas Marie Pierre, Il ne manque juste une personne. C'est une fille. Moresmo. Moresmo. C'est pas Moresmo. c'est La même génération, c'est pas Justinéen. Capriati. C'est pas Capriati, mais c'est pareil. C'était peut-être l'un des grands gâchis de l'histoire du tennis féminin. Ce sera vous de me dire, je ne connais rien au tennis. Non, mondial. C'est Konika Non. C'est la s un gâchis. Je sais, mais il faut bien que je dise non. Connu pour le tennis, mais aussi pour les à côté. Moresmo Non. Anna Kornikova Anna Konikova. Ah, la bonne nouvelle. Anna Bravo. Anna Kornikova, c'est vraiment la famille. On était tous amoureux d'elle. Vous aimez le catch est-ce que c'est un sport ou pas On aurait pu en faire un débat, mais ce sera pour la semaine prochaine. Regardez cette, euh, cette pochette. Batista L'Undertaker. L'Undertaker Non, non, non. non. Bogan John Cena. Non. John Cena John ouais, Cena, Mais oui, John Fena. Il a un droit en bas. Oui. Là, bah oui. Et oui. Quel athlète C'est une ouais, des pommes à l'humane, s'il vous voulez. Quel oui, chargé. C'est un bon acteur en plus. T'as dit que tu joues au jeu de rugby. Je sais que tu es intime de tirer du sautoir. C'est vrai. Retrouveras-tu le joueur qui est sur cette pochette qui n'est pas tiré du sautoir Je tiens à le préciser. Ça va venir. Je crois que je l'ai. Voilà. Bête oh. Nyanga. Sébastien, je te c'est celui Nyanga. C'est celui-là auquel j'ai énormément joué. Bête Nyanga, il est surcoté de ouf dans le jeu. Il est extrêmement fort. Polo, c'est très fort. <laughs> j'ai la haine parce que t'as passé celui avec Benzema. Non Alors C'est Benzema Ah oui, je l'ai oublié. On peut revenir avant. Excusez-moi, Régis, je suis désolé. C'est pour ça qu'ils étaient un peu. C'est qui ce soir Méné, Non, c'est pas Méné. C'est pas, pas Pastoré. Ah, Alors ça, pas ça, mon gars, j'ai halluciné. <laughs> j'ai halluciné de cette pochette qui était quand même dédiée au marché français. Oui. Euh, Rassurons tout le monde. Non, non, non. Réunionnait, je crois. Réunionnais, euh, le marché. Étonnant. Bravo à Steve, d'ailleurs, pour son retour. une T'inchit et tout pour son retour. Oui, oui, c'est vrai. c'est vrai. bien en Bravo à Steve. Vrai gars. Vrai gars. On l'aime beaucoup. Surtout au barbecue. Donc, on lui demande pas de sortir. Et il a progressé hein. <laughs> Un, un dernier Fond de cours dernière, hein, Steph Fond de cours toujours Une dernière pochette D'un jeu que <laughs> je Carles sais Vous n'avez absolument non, pas Valentin Porte Valentin oh, Porte Michel Michel Hansen, Hansen, ah, C'est mon gars non, sûr J'étais pas prêt On a passé une belle soirée Avec lui C'est vrai Très bon mec Non Michael Hansen Alors on a juste regardé Un tournoi de foot okay. Mais il était là et alors, euh... Parce que généralement Quand tu dis ça cest alors qu'il y a Apéro, resto Et soirée derrière Michael Hansen Très bon mec Un petit quiz de Fomblard Pour la dernière photo là, Si on peut la remettre Qui est le joueur Le tisse-mais-soin Derrière Michael Hansen. Oh, je le connais lui. Timothée Guessant. Bravo Ouais, ouais, ouais Timothée bravo. mais oui. Tu sais de... quoi C'est un point <laughs> en plus. Attends, on fait un peu qui est le mec en violet derrière Là, vous <où rire> faites moi les malins. Ouais, J'en je je ai suis aucune suis idée Dans le chat, ils vont l'avoir, je, je suis très curieux de pas jouer pas. au jeu d'handball, pour le coup. J'ai si c'est un truc ce... ouais, c'est vrai que ça ouais, doit être Tu sais quoi On va demander à Nacon là, Nacon. Il nous envoie un ah jeu. Oui, c'est Melvin Richardson, je pense. Dans le chat, maintenant que j'y pense. Ah putain. Oh non, non, non Pardon, c'est le troisième. Ah oui, là, c'est euh, Manque de respect. C'est comparé Richardson, mais non. Ah Richardson. non, d'accord, okay. Dites-nous, parce que Melvin ouais, ouais, Richardson, c'est Melvin Richardson. non, ah, mais oui, maintenant. Ah, oh, bravo que je Polo, qui invalide, valide, Timothy Nguesson. Ah, j'étais sûr que c'était Nguesson. Bravo Polo. écoute, c'est comme ça. Merci les gars. Moi, je vous mets le point quand même, ça me fait plaisir. C'est le dernier croison-lais, c'est promis. Hein. J'ai pas pris des gens du plateau. Pour que ah. ça soit un peu plus sympa. C'est crois que c'est des opétiques. Deux sportifs, et vous allez voir, des... parfois ils n'ont rien à voir, mais on les reconnaît bien évidemment. Carlos Helloyah. <laughs> sur ce, <laughs> premier. Tiger Woods. Tiger Woods. Et Nadal. Non, et Del Potro. Non. Wow, ah, les deux. Et Michael. Phelps. Oui, Phelps. je Oui, Phelps. Oh, ouais, ouais, ouais. Phelps. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Del Potro. Ah oui, mais voilà. <laughs> je suis en train de ah me dire oui, qu'on l'a peut-être fait il voilà. y a deux semaines celui-là. Non, non, on l'a pas fait. Bien sûr, d'accord. Je leur ai dit Manu. On enchaîne alors sur un truc, mais... On enchaîne alors sur le suivant. Hamilton Ouais, mais avec... Schumacher. Oui, tout à fait. À la fin de sa carrière. Hamilton, ah ouais Schumacher. Tout à oh, fait, poche. bravo les gars. Ah, que... le, voir, le prochain, il va aller super vite. Super vite. Jordan et Shaq. Ouais, bravo. Kobe et Shaq. Kobe, Kobe Shaq. et Shaq. Ah, ouais. tout à fait. Kobe et Shaq. <laughs> C'est dunk. Cette application, elle est quand même ouf. Hein. Ah, ouais, ouais. C'est ah, incroyable. C'est un puits infini. Ah ouais. C'est un puits infini. Ah ouais. un puits infini. <rire> 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 On pourrait faire des émissions comme ah ouais. de de ça, mais ça serait ennuyeux. C'est fou, hein. le, le mix est... Le corps de Tchak et l'expression les, les, de visage, bien sûr, de, de Chuck, Kobe Bryant. Tchak. Tchak, l'éventail. Tchak. Salut. Le suivant. Regardez. Federer. Federer. Carlos Sainz. Non. Oh <laughs> <de Red. rire> ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que est il, vrai, qu il y a Antoine Veleto. Non, et Djoko. Et Djoko oh, tout à fait. Ouais. Et Djoko. Je le dirais, carrière. Oh, tête, non, non, Joan mais... Miko, on dirait. Allez, arrête, arrête, ça suffit. Le suivant, il est archi tiré par les cheveux. Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu l'idée de les associer. Ah, euh, du, euh, le gars de Marseille, là. Oui, euh. Du Luc. Non, pas Luc. Non, du, ouais. non <laughs> euh... Ça s'appelle. ça euh... Le euh... directeur la de, la, de la ligue, Mais maintenant. Oui, comment oh, si... Non, la brune. Non Il y a un truc la brune. Regardez bien le visage. Tiens la bouche de vieille comme ça. Regardez bien le visage. Demi Carmand Non, c'est un sportif, je vous le dis. C'est un sportif qui a performé au JO avant le début des années 2000. Oui, dis, il, y a il est là voilà, ouais, pourquoi t'es allé chercher ça la je sais pas pourquoi l'accent des fois ça vient comme ça la brune serait vachement plus Dominique Armand je pense à Sylvain évidemment hein. le naufrage no de l'OM Marseille 2 regardez 25. la suivante il y a, oh, 5. Il y a deux sportifs. Ah, ouais, ah oui c'était Serena euh, Williams oui mais regardez bien Ostaka Regardez bien le... Non, le visage, regardez bien le pas visage. C'est pas Vénus quand même. C'est pas Vénus, non. Non, non, non je ne suis pas amusé à faire ça. <laughs> oh, C'est dur là Ça serait un salaud. C'est une sportive française que l'on cherche. Oh. Et ah, j'ai envie de vous donner un indice, mais si je vous le donne, ça va aller trop vite. Mais je vous le donne quand même. Corinne Diacre je... Non. <laughs> non. <laughs> C'est une bonne idée ça, tu vois. Tu vois je regrette de ne pas l'avoir fait, tu vois. C'est bien... une sportive française qui est euh, eh désormais en politique. Ah, Maris à Non Ah ouais Alors regardez bien le visage, les gars, regardez bien l'expression du visage. C'est vrai que. Laura Flessel. Laura Flessel. Ah ouais. Ah ouais. Très dur. pas cadeau c'est impossible à trouver en fait. Oui, oui, c'est vrai que c'est vrai. Regardez bien le visage, je t'aime bien, mais. Voilà, c'est vrai. Le suivant, il va aller trop vite, je pense. Beaucoup trop vite. C'est notre jeunesse. Zidane, Ronaldo. Zidane et Ronaldo, tout à fait. C'est Eric Judor, ça fait. Ça fait Eric Judor. <laughs> c'est vrai. Euh, le suivant, tiens, intéressant. On parle de tennis. On a pas mal parlé de tennis. C'est bien. Mo, Maurice Mo, Mo, Maurice Mo. Mo. Non, et Stéphane est. Stéphie Grav. Stéphie Grav. Stéphie, Stéphie. Non, Stéphi 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 n'importe quoi, moi. Non, non. non. Mais c'est vrai que. Alors, vrai que... Mo, oui. Nadal. Non, c'est pas Nadal non plus. <laughs> mais t'as raison. Quand je l'ai vu, je me suis. Dit, on dirait vraiment que c'est mêlé avec Stéphie Grav, mais c'est pas Stéphie Grav. Et Navratilova. C'est pas Navratilova. C'est plus tard. C'est de la génération de Mauriceau. Elles ont joué en tout cas en même temps. Marie Pierce alors. Marie Pierce tout à fait. C'est à droite. Euh, et puis un dernier, hein, dernier c'est pareil, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé peu à cette euh, association entre deux sportifs français. Prost, Prost. Oui, il y a Prost en effet. Prost, je... Et la ce C'est pas la non, je connais. Ce et tout. Luan Diniz c'est pas Yoannis. C'est la coupe qui t'a induit en erreur. <rire> Clairement. <rire> Regarde bien les yeux. Regardez au plus profond des yeux. Oui, c'est un entraîneur. Ah, c'est Frank Williams. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas un <laughs> mec de. Alors je vous dis, c'est un mec du tennis. Mais non. Ah oui, oui. Pioline, oui. pioline. Ah oui, Pioline. Vous ah, tellement non. Pioline. Mais ça, ça fait d'autres mecs. Oh, incroyable. Mais voilà, ça fait Exactement. <laughs> non, mais c'est très étonnant ce jeu. <rire> <rire> Il nous reste 3 minutes, les gars. Alors voilà qui suis-je. Un qui suis-je oh, Allez, oui. euh, on y va en 2-2 sur le qui suis-je. Allez, vas-y. Je suis un joueur de football. Oh là. Je Toujours en activité. Je suis un joueur de football toujours en activité. Pardon, excusez-moi. Je suis né le 6 décembre 1994 à Manchester. Quoi Manchester. Je suis né 1900 le 6 décembre 1994 à Manchester. Je suis attaquant. J'ai la nationalité britannique. Je suis droitier, mais ma carrière a commencé au Pays de Galles, au connard Case Nomad. Pas une insulte, c'est bien un club. J'ai ensuite été à Cardiff. Puis parti, je suis parti à, à Colchester, puis Dundee, oh. Newport, oh. Torquay, Milton Case, avant d'arriver en France en 2020. En 2020 Ouais. 2020. Un attaquant anglais. en Ligue 1. Je suis, en Ligue 1. Est je suis arrivé le 27. Alors pas en Ligue, excusez-moi. Je suis arrivé le 27 août 2020 en France. Dans un championnat français. National. C'est pas bien. en national, sinon je suis quand même pas un salaud, c'est que c'est que, pas que mieux, deux experts hein. du national autour de ce plateau. On est plus la, la Ligue 2, frère. Mon premier match, je le dispute le 14 septembre 2020, je remplace Koulouris <laughs> contre Sochaux lors de la troisième journée de Ligue 2. Je marque d'ailleurs mon premier but sous mes nouvelles couleurs à ce moment-là. Et derrière, je vais empiler, je vais empiler, je vais me mettre à quadrupler lors de la victoire de mon club contre Sochaux Et pied, en novembre peur. 2021. <laughs> En fait, vous, vous m'avez tellement avait... à chaque fois ruiné Mais... les q <laughs> que je suis allé chercher un q énervé. Un joueur de Ligue 2 déjà Un joueur de Ligue 2. Il y avait Thibaut Pinot à Bonal ce week-end. Si... Il y enfin, une... a une chanson à mon honneur dans mon club de Toulouse, je vous le dis. C'est Il is on fire, your defense is terrified. Will Wilgrigs. Je connais <laughs> aucun mec de Toulouse, hein. Ah ouais bah Encore moins, on a tellement ah ouais. monté. On, on a tellement monté. je, suis, je, suis, je suis, bon, un très, très, très mauvais C'est vraiment les chercheurs d'attaquants de Toulouse. C'est le meilleur plus. buteur actuellement de la Ligue 2. Ah, ouais, qui s'appelle. Oui, je suis vraiment allé ah, chercher un attaquant. Franchement, vous êtes tellement forts, les gars, sur les Je suis désolé. J'ai un peu trop. C'était le sais. Voilà Riz Il a gâché le plaisir. Riz Hiley Terrible fin d'émission. Terrible fin d'émission. Qui se termine sur un malaise. Il nous de Boudin. désolé, les gars. En nœud de Boudin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on dirait la 11 fin de Dexter, 1 2 3 4 5 6 7, 8. 11 à 8, c'est une victoire pour Thomas. Il fait pas un club bah dans sa carrière, quand même. Hein. Non, même que... en Angleterre, non. mais il est horrible. Bah non, tu me sens qu'un truc, tu vois, il non. a marqué. Le mec, Radio il est là, euh... Manchester, il a joué partout, sauf ouais. à Manchester. Je tiens à m'excuser. Vous... Il il a... De toute façon, je crois que je vais abandonner le qui suis-je, les non. gars, parce que je te non. dis, j'ai énormément du mal. on va C'est bien quand on les trouve aussi. Manu, tu que le but d'un qui suis-je, c'est de les trouver. Oui, vous les trouvez en deux secondes, les gars. C'est ça qui est très compliqué à chaque fois. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, merci d'avoir été toujours présent et toujours dans la bonne humeur. Merci à la régie tout de suite le bifort du récar, on va travailler qui suit chez Provi <laughs>